À tous, ici votre Taverni, bienvenue pour un nouveau stream sur Manor Lords, un one-shot ce soir, comme on peut le dire. Du coup, je vais vous présenter le jeu pour vous montrer ce qu'il a dans la bidoche. Bonsoir Hello, bonsoir Crevette, bonsoir à vous tous, viewers de l'ombre. J'hésitais à le faire, mais c'est le jeu qui a été le plus voté. Moi, je me dis, c'est pas les trucs les plus intéressants qui sont à regarder. C'est pour ça qu'en général, je ne joue que peu aux jeux de gestion. Mais écoutez, c'est vous qui l'avez décidé. Et on va, pour une fois, laisser place à la démocratie. Très heureux de vous retrouver, en tout cas, pour ce soir, pour Manor Lords. Et demain, on verra. On verra bien ce qu'on fera demain. Si les copains seront dispo pour faire du Baldur's Gate. Ou alors, il est possible qu'on joue avec Monsieur Crabbe demain. Si jamais il n'y a pas les copains. Mais ça, vous verrez. Vous verrez. Bonsoir, Sheikah. Est-ce que vous allez bien? Oh, ça va. Ça va, ça va. Il est où, Carlos? Carlos! C'est Bastien. On jouera avec Sébastien. Carlos est en RTT aujourd'hui. Democratic Helldivers. Helldivers, finalement, j'ai pas tellement accroché. Enfin, le jeu, je comprends que les gens aiment bien le jeu et tout. Mais je suis plus, pour la peine, dans le style, je suis plus dans des jeux comme Warhammer Vermintide, Darktide. D'ailleurs, je fais Darktide en off. En ce moment. Bref, je vais vous montrer Manor Lords. On va voir si on y jouera toute la soirée. C'est pas sûr qu'on y joue. Pour toute la soirée. On verra bien comment ça se découpille. Et peut-être que ce soir, on essaiera encore un nouveau jeu qu'on fera en parallèle. Le prochain jeu que j'ai prévu n'était pas dans la liste. On le fera parallèlement. Parallèle avec Baldur's Gate. Bref, bienvenue sur Manor Lords. Alors, j'y ai pas joué depuis 2-3 mois, donc il y a dû avoir quelques mises à jour, mais le jeu est plutôt sympa. C'est un Early Access. Et vous savez que je n'affectionne pas du tout les Early Access, alors si je me suis intéressé à Manor Lords, c'est pas pour rien. C'est que ce jeu ressentait son ambiance. On va peut-être baisser le son quand même. On va peut-être baisser le son, sinon vous n'allez pas m'entendre. Je pense que ça devrait être bon là. Le jeu est bien. Le jeu est bien. Bien que du coup on voit les limites de l'Early Access. Mais vous allez voir, il est plutôt sympa. Souvent comparé à Total War, alors qu'il n'a rien à voir avec des Total War. Alors que je vous dis qu'il n'a rien à voir, c'est vraiment il n'a rien à voir. Mais voilà. Il m'a toujours hypé, mais je ne l'ai jamais buy. Et bien, sachez qu'il est disponible sur le Game Pass. Vous voyez, Early Access, on est en 0.7. Il est disponible sur le Game Pass. Donc, si vous avez envie de l'essayer gratuitement,
Bah vous pouvez via le Game Pass. J'ai pas le Game Pass, mais dans ce cas-là, bah tu regardes. Bonsoir Kane en fait. Kane qui est arrivé à 23h30, il est bien, il est arrivé à l'heure, mais comme d'habitude, le streamer n'arrive jamais à l'heure. Je marque 23h30, mais en vrai il faudrait que je marque minuit. Mais bon. Et du coup, on va démarrer une nouvelle partie et vous allez voir un peu plus ce qu'il y a en détail. Ah mais tiens, on va rejouer Gros Caillou. Gros Caillou est de retour. Le son du jeu est très fort comparé à ta voix. Ah oui, effectivement. C'est mieux. C'est plus. C'est moins. C'est plus. C'est moins. Ça devrait être bon, là. Baisse encore. C'est bien, là. Là, ça devrait être pas mal, là. À 20%. C'est bien. Ça semble bien. Ok. Bon, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, du coup. On fait un petit coucou à Eternel qui nous regarde sans pouvoir parler. Pauvre Eternel. Du coup, on rejoue Gros Caillou. qu'est-ce qu'on lui met? Alors, ça n'a que très peu d'importance, ça. Ce qu'on est en train de faire. Ça n'a vraiment que très peu d'importance. C'est le blason familial et tout. Elle s'est fait ban ou quoi? Elle a des soucis avec son gant, effectivement. En espérant que tout s'arrange. Oh, le caleçon en titane. Hein. Allez, ça sera l'emblème du caleçon. Parfait. Ça n'a aucun sens. Voilà. Il est pas bien, mon emblème? Ah, comme ça. Eternel. Non, mais Eternel, elle a juste quelques soucis, mais rassurez-vous, elle devrait pouvoir revenir. On peut agrandir la taille du caleçon. On peut même le mettre à l'envers. Voilà. Donc, vous avez plusieurs modes de jeu. Bâtir et prospérer. Il n'y a pas d'ennemis. Instaurer la paix. Il y a des ennemis. Mais bon. Et sur le fil, vous allez ramasser. Tu t'es pris pour le Robi d'Agobert ou quoi? C'est le bon roi d'Agobert, oui. Le Robi d'Agobert, le roi d'Agobert, il y a. Le bon vieux roi d'Agobert. Objectif final, domination. Le but étant d'éliminer tous les autres seigneurs dans leur territoire. Vous verrez, c'est le mode... Le truc qui est le plus abouti dans le jeu, c'est vraiment la construction de village. Après, affronter d'autres seigneurs, c'est vraiment... Déjà, il n'y aura qu'un seigneur. Il y aura un seigneur et quelques bandits. Et cet autre seigneur ne va pas construire dans les autres territoires qui seront disponibles. Il va juste les acheter. Et après, il enverra des troupes, mais il ne peut pas construire pour l'instant. Et ça, c'est prévu dans le futur, dans de futures améliorations. Bonsoir, Fleur de Lys. J'arrive sur le caleçon, c'est génial. Mais parfait. Parfait, Fleur de Lys, tu vois. T'arrives au bon moment. Donc là, du coup, ça, c'est par rapport à l'adversaire qui est hors de la carte. Ajoute un adversaire contrôlé par l'IA hors de la carte. Il contrôlera deux régions et enverra ses soldats sur la carte lorsque vous le provoquerez. Donc c'est cet autre seigneur que je vous parlais. C'est prévu dans le futur que du coup il soit présent sur la carte et qu'il n'envoie pas que des soldats. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez avancé pour ça. Là où vous allez plus être emmerdé particulièrement, ça va être les pillards. Hein. Qui n'apparaîtront qu'au bout de la deuxième année. Je vous conseille de mettre la deuxième année parce que sinon vous allez mourir. Les pierres qui apparaissent année 1, les pierres qui vous attaquent année 1, vous êtes dans la merde. Donc, laissez à deux. Comment vas-tu? Ça change d'Elden Ring. Et oui, on a fini le DLC d'Elden Ring et du coup, on joue à d'autres jeux. En ce moment, tu me verras sur Baldur's Gate 3 avec un mode héroïque, un mode honneur avec les copains. Avec la compagnie des Débilos. Et du coup, on va faire un deuxième jeu en parallèle. Ce ne sera pas Manor Lord. Parce que ce soir, c'est un one shot. Je fais Manor Lord ce soir juste pour vous le présenter. Putain, la musique, elle est encore forte. Hein. Je vais la baisser après. Très certainement qu'on fera le jeu. Un jeu avec un crabe. Voilà.
Vous verrez bien. Saison de départ, printemps. Je vous conseille de tout laisser tel quel. Ne bougez pas tout ça. Il y a des taxes royales, vous verrez, des livraisons d'armes et tout. Bref. Vous verrez ça au fur et à mesure. Je vous propose que nous démarrions immédiatement. Vous allez voir que c'est un jeu qui est très reposant. Moi, j'aime bien. J'y joue une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. Et puis voilà. C'est un jeu qui détend. Jeu de gestion. On va mettre sur pause. Donc, bienvenue dans votre village. Il est beau, le village. Village qui appartient à cette contrée. On va y venir un petit peu après. Donc, tout d'abord, la grande map. Donc là, il y a des bandits qui vont apparaître sur la map à différents endroits. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça, c'est votre territoire. Et ça, c'est le territoire de l'autre seigneur. Il va acheter des territoires au fur et à mesure. Et vous, votre but, ça va être de le déglinguer et de récupérer ses territoires. Il n'aura pas de construction, comme je vous le disais. Il va juste envoyer des troupes. Le jeu est trop early pour ça. Mais dans le futur, encore une fois, ce sera fait. Chaque province a ses avantages et ses désavantages. Quand vous voyez un symbole avec une couronne, ça veut dire que c'est une ressource abondante. Donc, il y en aura beaucoup. Là, vous voyez, par exemple, on voit qu'on est quand même dans une zone où il y a beaucoup de pierres et beaucoup de fer. Du coup, j'aurais tendance à me diriger vers une construction de mines, par exemple. Des améliorations qui iront vers ça. Pour produire des armes. Tu en as pensé quoi du DLC? J'ai adoré. J'ai adoré Fleur de Lys, le DLC. Là, vous voyez, par exemple, il y a plus d'animaux sauvages. Bon, c'est pas la ressource la plus importante, mais on peut toujours s'en servir. Les baies, c'est pas mal. Les baies, c'est pas mal, parce que ça vous donne pas mal de nourriture. Vous avez des gisements d'argile aussi, pour faire des tuiles, notamment, pour les constructions. Du fer, de la pierre, des animaux et des arbustes. Bref, pour l'instant, on va pas s'occuper de ce monsieur. Pour l'instant, on va s'occuper de notre propre province. Vous avez plusieurs ressources au-dessus. Toutes importantes, mais certaines plus que d'autres. D'abord, les trois trucs que vous devez toujours garder à l'œil, c'est la satisfaction de votre population, donc votre popularité, la nourriture que vous avez et le combustible. Maintenant, ça fait penser un peu à Age of. Alors, c'est comme Age of, mais pas du tout pareil. Parce qu'il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de. Mais c'est dans l'ambiance, c'est un peu. Oui, mais c'est pareil, mais pas du tout dans le même jeu. Mais je comprends ce sentiment. La popularité, pourquoi elle est importante ? Salut Gameo, vends-moi du rêve, vas-y, je te vends du rêve. Tiens, je t'enfile à l'appel. Bonsoir à toi, plaisir de te voir. Bonsoir Pépé, content de te voir aussi. La popularité, pourquoi est-elle la plus importante? C'est vraiment la ressource. Tu m'enfiles avec une pelle. Si tu veux. La popularité, si vous avez moins de 50% de popularité, vous n'allez pas avoir de familles qui vont s'installer dans votre village. Ça veut dire que votre village va stagner, il ne s'agrandira pas. Donc il est toujours important d'avoir 51% de popularité. C'est primordial. S'il y a un truc où vous devez faire attention, c'est ça. Si votre village ne s'agrandit pas, vous ne pouvez pas produire plus de ressources. Si vous n'utilisez pas plus de ressources, vous allez vous faire casser la gueule. Donc pensez à avoir toujours un maximum de popularité. Pour avoir de la popularité, il faut que les habitants vivent bien, qu'ils aient des nourritures différentes, qu'ils aient de quoi se chauffer, qu'ils ne meurent pas, qu'il n'y ait pas de cadavres enterrés à côté de chez eux. Vous voyez, le genre de choses un petit peu logiques. Mais on va s'y intéresser après. La deuxième ressource, comme je vous le disais, la plus importante, c'est la nourriture et le combustible. La nourriture, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez de nourriture, eh ben les gens meurent de faim. Ce qui fait baisser la popularité, inévitablement. Mais en plus, tue votre population.
ce qui n'arrangera rien à vos affaires. Donc il faut toujours avoir de la nourriture. Même si vous n'avez qu'une ressource de nourriture, si vous n'avez qu'une nourriture différente, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir la viande, des légumes, des baies, des pains, des œufs, des pommes et du miel. Il faut toujours avoir de la nourriture. Et les combustibles, pourquoi c'est important? Bah, parce qu'en hiver, il fait froid et mourir de froid, bah, c'est pas bon pour votre côte. Voilà. Ensuite, vous avez la mer de Lords, la 5 fruits et légumes par jour, c'est ça. La mer de Lords, vous avez des familles qui vont s'installer. Les familles, c'est la ressource que vous allez utiliser pour les utiliser. C'est la ressource que vous allez utiliser pour les attribuer à certaines fonctions. Par exemple, lorsque je vais avoir une famille, je vais avoir là, vous voyez, par exemple, il y a Thomas, Linhart, Eran et machin chose. Là, pour l'instant, c'est les chefs de famille qui sont venus chez nous. Ils n'ont pas amené leurs gosses parce qu'il n'y a pas de maison. Mais dès qu'ils ont des maisons, ben, ils vont amener toute leur famille. Et à ce moment-là, ça va agrandir votre population et vous allez pouvoir vous en servir. Là, vous voyez, par exemple, je vois pas population totale, 5 familles de niveau 1, 8 hommes, 2 femmes. Non, 8 hommes et 2... Je crois que c'est 2 enfants. Non, 8 hommes et 2 femmes. Bon. Petit gang-bang, mais c'est pas grave. Vous allez voir au fur et à mesure comment ça va fonctionner. Et voilà, il utilise le peuple. Non, je suis avec le peuple. L'ordre public, évidemment. L'ordre public n'est pas une ressource qui est très importante pour l'instant en early access. 8 femmes et des dames. Secours. C'est pas très important parce que c'est l'early access n'a pas trop mis avant l'ordre public. Pour l'instant, vous n'allez pas vraiment vous en occuper. La richesse régionale est une ressource qui est dépendant uniquement de cette région. Si par exemple vous avez un autre village qui est là, vous n'aurez pas la même richesse régionale entre les deux. Elle ne se partage pas. La richesse régionale vous permet d'acheter dans la région des poules, des bœufs, toutes sortes de conneries, des marchandises. Enfin bref, c'est vrai, la richesse du village en lui-même. Le bétail, vous pouvez avoir des bœufs, des chevaux, des mulets, des moutons, des agneaux. Le plus important, c'est les bœufs. Manorland, si je dis pas de conneries, premier truc que j'ai appris, comment composer ta défense dans ton château. Ça ne sert à rien. Tu verras, Pépé. Ça ne sert à rien. Pour l'instant, vu l'état du jeu, niveau défense, tant que tu as des troupes, tout va bien. Les bœufs, ce sont les plus importants parce qu'il va y avoir des bâtiments, notamment par exemple la Syrie, qui vont avoir besoin de l'utilisation d'une bœuf. Si vous n'avez pas de bœuf, vous ne pouvez pas utiliser une Syrie. La Syrie, non. Commencez pas. C'est déjà difficile de tout expliquer. Alors si vous vous y mettez, on va pas s'en sortir. Il y a de la bœuf en Syrie. Qui est con. Et notamment les bœufs, ça va vous permettre de transporter les marchandises. Donc il faut en avoir. Pour l'instant, on en a une. Donc on en a un seul. C'est pas fameux, mais il va falloir essayer d'en avoir plus au fur et à mesure. Après, en ressources, vous avez les bois, les planches, les pierres outils, pièces en bois, tuiles, blocs, ça on y viendra plus tard. La bouffe, on y en a parlé. Les combustibles, les bûches que vous pouvez transformer en charbon via une amélioration que vous aurez plus tard. Pour avoir doublé du lin des orges, etc. Enfin, d'autres ressources, ça on en parlera plus tard. Là, vous avez gros cailloux. La trésorerie, qui n'est pas la même que la richesse régionale. La trésorerie, c'est l'argent de gros cailloux. Les taxes royales, on en viendra plus tard, ce sont les impôts. C'est la taxe d'habitation. On verra plus tard. Faveur royale qui est générée en payant les taxes royales, etc. Et l'influence qui vous permettra de revendiquer d'autres régions. Commençons la partie. Donc là, on démarre avec des tentes de Saint-Louchy. Ils font un peu la gueule parce que ils ont juste des tentes avec lesquelles. Juste des tentes avec lesquelles ils peuvent se servir pour dormir la nuit. Notre but, là, quand je regarde cette province, je vois qu'il y a beaucoup de bois. Et nous, le bois, on aime ça. Mais il va falloir raser le bois. Le but, ça va être d'abord, en début de partie, de récupérer du bois pour ensuite leur faire des maisons. Donc, pour récupérer du bois, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le menu des constructions en bas. Vous avez le menu des routes, constructions, armées, cartes, aides et paramètres. Pour faire du bois, il nous faut un camp de bûcherons. Je vais éviter de péter le bois qu'il y a ici. Pourquoi? Bonsoir Dophie.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des arbustes à baies. Et les baies, c'est très utile pour récupérer de la nourriture en début de jeu. Et il y a des animaux. Si je pète les bois, eh ben, du coup, les animaux vont se casser. Donc, on va pas péter les bois ici. On va plutôt péter les bois de ce côté-là et au-dessus, vous voyez ? Dans ce morceau-là. Voire en bas. Mais on va éviter de péter aux alentours. J'ai enfin battu le boss de fin DLC d'Alan Ring. Pourtant, il est pas dur. Je comprends pas pourquoi tu galères. Hein. Donc, un petit camp de bûcheron, on le prend. Vous voyez, ça coûte 2 de bois. Donc, c'est le premier truc à faire. Hein. On va le poser ici. On va faire une route. Vous voyez, il y a des points. Ça, c'est les entrées du camp du bûcheron. Donc, les routes ne coûtent pas de ressources. Donc, vous pouvez y aller pour les routes. Hein. Je prends ma route. Je la construis. Ici, on va essayer. Là, il y a nos ressources qui sont par terre. Il va falloir aussi les entreposer parce que s'il pleut, elles vont être détruites. On va faire une route qui relie tout ça. Et on est pas mal. On est pas mal. Si on met en vitesse normale, on voit qu'ils vont partir faire les constructions. Là, ça, c'est donc, là, vous voyez, c'est 5 familles qui sont non infectées. Tant que vous avez une famille non infectée, vous pouvez faire des constructions. Si toutes vos familles sont affectées à un bâtiment, elles ne pourront pas faire de construction. Donc, ayez toujours une famille au moins non affectée. Bonsoir à la case. Stronghold, impuissance avec Z-Settler. Oui, ça va rendre, ouais, je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de combustible. Toutes les familles sont affectées. J'ai passé des années à défendre From Software, à convertir mes potes au soupe, tout ça pour gratifier d'un boss fils de pute qui a des attaques atroces qui étaient juste. Vous savez quoi, From, allez bien vous faire foutre. Oh, ça va, il est pas si dur. Hein. Donc, en plus de faire ce camp de bûcherons, on va faire aussi un camp de chasseurs. Donc, vous voyez que là, les animaux, ils se trouvent ici. On a déjà une route qui est construite. On va faire le camp ici, pas trop proche pour pas faire fuir les animaux. Et on fait une petite route. Parce qu'il nous faut de la bouffe. On va aussi faire un bâtiment pour recueillir les baies. Les baies qui vont pouvoir vous servir à faire des médicaments aussi. Donc là, on voit que c'est juste à côté, donc c'est parfait. On va le faire juste ici. Ceci étant fait, on a fait les premiers bâtiments les plus importants. Ils sont en train de les construire, vous voyez. La petite barre qui augmente. Je parle du consort de mon cul. Après, tu dois souffrir avec l'hiver avec ton charbon. Partons, je confonds avec un autre jeu. Non, c'est un peu ça, Pépé. Hein. C'est un peu ça. Mais vous allez voir que Manor Lords, là où il se détache des autres jeux, c'est sur autre chose. C'est sur autre chose. Vous avez des huttes de civilcuteurs. C'est très important d'en faire. Parce que les huttes de sylviculteurs vous permettront de replanter des bois. Et au bout d'un moment, si vous avez tout rasé, vous n'aurez plus de bois. Si vous n'avez plus de bois, vous êtes dans la merde. Donc il est important de penser à la nature. Maintenant qu'on a fait ces bâtiments, il me reste 5 ressources de bois. Ils sont toujours en train de le construire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entrepôt. Pour mettre toutes ces ressources à l'abri. On a un grenier. Qui va servir donc du coup de garde-manger. Et on a un entrepôt. On va les mettre en face de la hutte de bûcheron. Et maintenant on les laisse bosser, tous ces gens-là. Donc là vous voyez, la bœuf, ils sont en train de déplacer la bœuf, le bœuf. Pour, vous voyez, aller récupérer les ressources. Donc c'est toujours important d'avoir plusieurs bœufs avec nous. Au début on n'a pas trop la possibilité d'en acheter, mais ça viendra au fur et à mesure. On a déposé tout le temps. Ce que j'aimais bien dans Stronghold, c'est à quel point quand tu avais des unités militaires, tu t'es dégoûté quand tu en perdais une seule. Oui, vous verrez aussi que dans Manor Lords, quand vous perdez des unités militaires, vous êtes un peu dégoûté. Parce que les unités militaires, ce sont vos familles qui fournissent des hommes au combat. Et si vous perdez des hommes au combat, ben vous perdez dans la main d'œuvre. Au Moyen-Âge, en train de faire du développement durable, hein. Pas si con. Là, vous voyez, le camp de bûcheron a été construit. On voit qu'il n'y a aucune famille qui était affectée. Donc, on va en infecter une. Et elle va déboiser tout ça. Vous avez un petit onglet ici. On va pas affecter de bêtes pour l'instant.
une zone de travail délimitée, illimitée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur attribuer une zone de travail pour éviter qu'ils aillent aller, qu'ils aillent ici déglinguer les bois où il y a les animaux. On va plutôt enlever tout ce qu'il y a ici. Donc là, vous voyez, il y a une famille qui est passée de non affecté à affecté. Pourquoi à chaque fois que j'entends déboiser, on dirait que c'est cochon? Tu veux que je te déboise le troufignon, hein, Gaméo? Ah oui, la popularité descend, parce qu'il y a des 100 logis. Dès qu'on aura du... du bois, on va s'en servir pour faire les maisons. Ça va être le prochain objectif. Ne me tente pas. Mais d'abord, on va les laisser construire tous ces bâtiments qu'on a demandé. Vous pouvez attribuer à un ordre une priorité de construction. Là, vous voyez, par exemple, ils sont tous en moyen. Vous savez quoi? On va leur demander de construire le grenier à vitesse grand V. Comme ça, je vais attribuer une famille au grenier qui va vite foutre les provisions à l'abri. Du bois, c'est un PNJ. C'est du bois et du bois. Les cousins du bois. Là où le jeu se détache particulièrement, c'est dans la construction de ces maisons. Vous verrez. Je me demande s'il existe un son au travail feignant, ce serait partant pour ça. Ça serait parfait pour ce jeu. Oui. Cette chope, quoi. Elle est pas belle, ma chope. D'ailleurs, je me suis rendu compte que Précéa, elle avait la même chope. Je pense que si j'étais une femme, je serais Précéa, moi. Il y a aussi un cycle de saison, c'est très important. Là, vous voyez, c'est juste en dessous de moi. Là, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le printemps, vous avez les pluies qui sont fréquentes et les ressources saisonnières qui repoussent. Donc les baies, par exemple. Ou quand on fera des champs de blé. En été, les cultures poussent et il peut y avoir des sécheresses. En automne, récolte, labourage et plantage des semences. Et en hiver, il n'y a plus de ressources saisonnières, la consommation de bûches est doublée, s'il en manque, les habitants peuvent souffrir du froid, et la tonte des moutons est interdite. Regardez comme c'est reposant. Regardez-moi tous ces gens travailler. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'ils font, là? Ah, ils attendent les ressources de... les rondelles de bois. Important pour la bouffe, tout ça, oui. Bienvenue au village d'Imenrut. Vous voulez qu'on l'appelle comment, le village, d'ailleurs, hein? Parce qu'on peut renommer le village, hein. Les cultures et les points de chasse, dommage qu'il manque la pêche, il me semble. Tout à fait, Anakaz. Tout à fait, tu as raison, il n'y a pas de rivière. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous démarrez une nouvelle map, les maps sont faites de façon semi-procédurale. Et pour l'instant, il n'y a pas de rivière, mais les rivières, ainsi que la pêche, sont prévues dans l'avenir. La petite musique. Les fans de pêche dans les jeux de gestion. Mais tout à fait. C'est un point qui est, que tu fais bien de soulever. Et ça viendra plus tard. On est vraiment early early. Il faut savoir que c'est une seule personne qui fait ce jeu. Elle a dû être un japonais dans sa vie intérieure. Elle a toujours voulu nourrir ses villageois exclusivement de poissons. Le poisson. Il est où mon camp là? Il est là. Si vous appuyez sur table, vous voyez l'état de construction. C'est 50% parce que les ressources, vous voyez, ont été amenées. Il ne reste plus qu'à les utiliser pour faire la construction. Déjà sur Age of Empires, hein, c'était le cas. Full pêche. Vous savez quoi? J'ai envie de rejouer Age of Empires. Hein. Resident Evil. Comme ça, on peut dire bienvenue à Resident Evil Village. Vous voulez qu'on l'appelle comme ça? Frostpunk. D'ailleurs, j'ai vu des nouvelles de Frostpunk, Pépé. Arrête, c'est pourri. Ben quoi? Jamais eu d'idée aussi merdique. Ben trouvez. Travaillez, mes fidèles assoiffés.
On va un petit peu accélérer quand même. Hein. Voilà, donc là c'est bon, ça a été construit. Vous verrez que vous pouvez aussi faire des améliorations afin d'augmenter la taille, par exemple, des greniers et d'autres bâtiments. Tu vis le chat. Donc là, vous voyez, regardez, ils sont en train d'amener les ressources. Ah oui, chose très importante, hein, que je n'ai pas fait d'ailleurs, c'est de faire un marché. Le marché, c'est vraiment très important parce que ça va être le point central de votre village. Les familles vont créer des étals qu'elles vont mettre sur le marché et elles vont distribuer aux autres villageois. Enfin, elles vont le vendre à d'autres villageois. Donc, c'est vraiment le truc le plus important. Là, vous voyez, vu qu'on va très certainement raser tout ça, je pense qu'on va faire le petit marché ici. Idéalement, je l'aurais fait au-dessus, mais il y a la tente au-dessus. Là, les gens, ils font un peu la gueule. Hein. Il va falloir vite régler cette histoire. Hein. Voilà. Là, on voit que j'ai 47 places d'étal de marché. Ça fait un beau marché. Lidl, sinon, quitte à faire du commerce avec les autres. Au secours. Ah, je vous ai connu plus inspiré. Ça suffit, le chat. Mathieu, ça fait petit village, c'est le nom d'un vrai centre commercial. Oh, allez. Au secours. Mais je pense qu'on a bien fait parce que le temps a l'air de se gâter. Donc on a bien fait de faire un petit grenier. D'ailleurs, on va affecter quelqu'un à l'entrepôt, rapido. Pour qu'ils foutent tout ça dans le grenier. Dès que les ressources auront été mises dans le grenier, on désaffectera la famille, on la mettra ailleurs. Bonsoir Moreau, bienvenue à toi. Regardez là, la hutte de cueilleur qui est en train d'être construite. On met immédiatement quelqu'un dedans. Ok. C'est bon pour le grenier, toute la bouffe a été stockée. On va quand même laisser j'y pense, une personne au grenier parce que du coup, elle va, vous avez vu, elle a mis un étal. La personne qui tient le grenier a mis un étal, elle va vendre ses ressources aux autres. J'ai des flashbacks de Anno 1404 avec le marché au centre de ta ville. Jamais joué à Anno 1404. Bonsoir Pierrot. Je pense alors que je vais dodo, bon stream. Repose-toi bien Pierrot. C'est plutôt le mec de l'entrepôt qu'on va... Ah mais merde, je l'ai dégagé. Qu'on va dégager dès que les provisions auront été posées. Hein. On en est où sur le bois? Là vous voyez, on est passé de 1 à 8 bois. Donc on va pouvoir commencer à construire des maisons. Voilà, le camp de chasseurs a été construit. Il n'y a plus de ressources à l'entrepôt. Donc on vire ce mec là. Qu'on va réattribuer au camp de chasseurs. Alors le camp de chasseurs, vous avez une limite de chasse. Je vous conseille toujours de mettre la limite de chasse à 10. Quand vous avez par exemple là où il y a 21 sur 20 animaux. Bon, on sait qu'il y en a 20. Si vous mettez moins de 10, les animaux vont avoir du mal à se reproduire. Et donc du coup, vous allez pouvoir chasser moins d'animaux. Donc autant en laisser survivre pour mieux les tuer plus tard. Vous aussi, vous êtes fan du médiéval. À Manor Lords, quand on est fan du médiéval, on ne peut que aimer. Autour du marché, on va faire une petite route. Si elle veut bien se faire normalement. Voilà. Les routes, vous pouvez y aller, hein, vu que c'est une ressource gratuite. Pas de soucis. Et on va commencer à construire les premières maisons. Et c'est là que le jeu se démarque vachement avec le reste. C'est que les maisons à construire, c'est très spécial. Donc vous délimitez un marqueur. Là, vous voyez, je dirige la maison avec la flèche vers le marché. Et là, on voit que j'ai 4 emplacements de maisons qui sont disponibles. Mais, merde, j'ai tout viré. Mais nous, là, ça m'a... moi, faire des petites maisons comme ça, ça m'intéresse pas trop. Je vais réduire la taille.
et je vais faire plutôt deux maisons. Là, ça va être... Ce bâtiment représente la maison. Ça, ça représente l'arrière-cour de la maison où vous allez pouvoir faire, par exemple, des poules, des légumes et d'autres activités. Et ça, c'est une amélioration de la maison. Vous pouvez l'agrandir pour accueillir une deuxième famille. Donc là, on lance la construction. On va faire péter la tente des 100 logis. Pourquoi elle pète pas ? Merde, ils ont changé le bouton. C'était pas comme ça la dernière fois. Tu veux faire la campagne, prépare 10 streams, voire 20. La campagne est longue car bâtir ton empire d'il est ultra long. D'accord, moi je connais pas du tout. Bah merde. Merde, ils ont changé un truc. Comment je le pète déjà ce bâtiment? Ils ont rajouté des informations. Ça fait un moment que j'y ai pas joué à ce petit jeu. C'est idéalement les tentes des 100 logis, on va les dégager. Pareil, le poteau d'attache, on va plutôt le déplacer. Je pense qu'on va le mettre. On va le mettre ici. D'ailleurs, ils vont faire ça en premier parce que j'ai pas envie que la bête se barre. Mais merde. Vraiment, il y avait un truc là, il y a un truc démolir. Ah, ou alors les tentes de Saint-Logis se barrent une fois que j'ai construit mes bâtiments, ça doit être ça. Une fois que j'ai construit assez de maisons pour accueillir... Pour accueillir toutes les familles. Bon, ce n'est pas grave. On va en faire d'autres. J'ai 7 de bois. On va faire une petite route qui passe par ici. Ah, je peux directement construire par-dessus. Ah, bah, ça, vous voyez, c'est un nouveau truc. Ça, c'est un nouveau truc. Avant, ce n'était pas le cas. On va faire pas mal de maisons là. Combien il m'en faudrait si je veux en faire si je veux qu'il y ait assez de maisons avec de la place derrière, il me faut 10 de bois. C'est important pour les premières maisons, selon moi, qu'il y ait pas mal de place derrière. Pourquoi? Parce que du coup, si vous faites des plantations de légumes dans vos maisons, bah, plus il y a de place et plus vous aurez de légumes. Ok. Donc on va attendre d'avoir 10 de bois et on va commencer à construire ces maisons. On va un petit peu accélérer pour vite les avoir. Il faut vite s'en occuper de ça parce que plus vous aurez de maisons, plus vos bâtiments seront mieux. Plus vos habitants seront dans de meilleures conditions et plus ils sont dans des meilleures conditions, ben, moins ils feront la gueule quoi. Vous voyez, c'est QFD. Voilà. Dernier. Après, je peux pas. C'est parce qu'il y a la tente là, c'est ça? Il y a un truc qui gêne. Bon, visiblement, il y a un truc qui gêne. Salut Dracas. Et là, je peux pas. Tu casses les couilles, le jeu. Le jeu, tu commences. Hein. Bon, bah, on va essayer d'en faire moins. Voilà. Ah, c'est juste parce qu'il y a la tente, en fait. Hein. D'accord. Cette tente me casse déjà les bonbons. Voilà. On va commencer par en faire une. Et je ferai les autres... derrière. On va faire une autre maison ici. C'est l'espace, hein. Je ferai autre chose. Sinon, on va pas s'emmerder, on va les faire plutôt là.
On va péter un peu le bois qu'il y a ici. Ça farte ? Ça va bien. Petite présentation de... pour vous de Bannerlord. Combien il m'en faudrait là, du bois là ? Si je veux faire toutes les maisons ici. 10 de bois. Ok, c'est comme tout à l'heure. On va attendre d'avoir le bois nécessaire. Quand est-ce que tu as attendu sur... Qu'est-ce que tu as attendu de Frostpunk ? Qu'est-ce que j'ai entendu de Frostpunk ? J'ai entendu que le jeu était... Le 2 était plutôt sympa, mais effectivement qu'il y avait 2-3 défauts à revoir dessus. Et qu'il était quand même relativement plutôt sympa. Voilà. Allez, on va les laisser construire leur maison. Et une fois que les maisons seront construites, on va pouvoir un petit peu avancer. Vous voyez qu'il y a des bâtiments qui sont bloqués. C'est normal, c'est des bâtiments pour les avoir. Il faut avoir certains arbres technologiques. Vous verrez qu'il y a un arbre technologique par village. Vous voyez notre village, il est là. Selon ce qu'on prend, il y a des choses qui sont bloquées en début. Encore une fois, c'est un early. Il y en a certains qui vous permettent de débloquer certaines améliorations. Par exemple, ici, vu qu'il y a pas mal de fer, ce serait peut-être bien de prendre une extraction souterraine qui nous permet, lorsque les ressources sont abondantes, de les tirer de façon illimitée. Donc ça, vu qu'ici, on a beaucoup de fer et beaucoup de pierre, c'est ce vers quoi on va se diriger, vers l'industrie. Ils plantent de l'herbe qui font rire. Comment ça ? Et là, vous voyez, on a notre première maison. Donc, il y a des gens qui vont commencer à y habiter dedans. On peut voir d'ailleurs les personnes qui s'y trouvent. Il y a Bartholomew, Thoman, Edlane. D'ailleurs, sachez que vous pouvez renommer les gens qui y habitent. Et par exemple, si j'ai envie de mettre Pépé dedans. Et vous voyez, Pépé fait partie du village maintenant. Et donc, les maisons... sont appelées sensives, elles ont plusieurs niveaux, 1, 2 et 3. Pour les faire passer au niveau au-dessus, il faut faire en sorte de satisfaire leurs besoins. Et plus elles auront un niveau qui sera haut, et plus elles auront de besoins. Là, vous voyez par exemple, cette maison elle a besoin d'avoir un accès à l'eau, elle a besoin d'avoir une église, du combustible, de nourritures différentes sur le marché et des vêtements. Le fait de la faire passer niveau 2, votre maison, vous pourrez la taxer. Et quand vous pourrez la taxer, vous pourrez récupérer de la richesse régionale. Et vous pourrez ainsi acheter des choses avec. Là, niveau 1, vous ne pouvez pas taxer. D'ailleurs, vu que la maison elle a de la place derrière, on peut faire une extension derrière la cour. Par exemple, là, vous voyez les 15 des richesses régionales. Je peux installer un potager dessus. Où ils feront pousser des légumes. Pour l'instant, on ne va rien faire parce qu'on a peu de richesses régionales. Mais dès qu'on va commencer à en récupérer, on fera des légumes, on fera des trucs, vous verrez... Ça va grandement nous faciliter la vie. On va accélérer. Et c'est vraiment le jeu, vous avez vu. Hein. C'est le jeu de la détente. Hein. Quand on y joue, c'est pas pour se prendre la tête. Hein. Après, il faut faire quand même attention aux ressources qu'on a. Mais là, dans l'état où il est pas très difficile. Une fois que vous avez compris le principe, il est pas très difficile le jeu. La deuxième sensive qui a été construite, celle-là, vu qu'elle est petite de sensive, j'aurais plutôt tendance, vous voyez, à mettre des poules, par exemple, dedans, pour qu'elles produisent des œufs. Mais ces sensives-là, qui ont beaucoup de place, celle-là, je m'en servirai plutôt pour mettre des légumes, hein. Etc., etc. Je sais pas si demain on fera Baldur's Gate avec les copains, on verra bien. On verra s'ils sont disponibles. Si jamais ils sont pas disponibles, on fera autre chose. Là, vous voyez, il pleut. Si on avait laissé nos ressources dehors, la pluie les aurait abîmées et du coup, on en aurait perdu quelques-unes. Hein. Là, votre priorité, vraiment au début, c'est ce que je viens de faire, hein, du coup. Donc, faire des maisons, un camp de bûcherons, des entrepôts, un entrepôt, un grenier. Une hutte de cueilleur et une hutte de chasseur. C'est vraiment la base de la base.
Envoyé un message, une famille a rejoint des colons. Vu qu'il y a un des colons qui s'est installé, un des chefs de famille qui s'est installé dans la maison, du coup, sa famille est venue le rejoindre. Et la famille, du coup, quand on attribue une famille, la famille entière, quand vous attribuez une unité, une famille dans un entrepôt, c'est les trois membres de la famille qui vont travailler dans le bâtiment auquel vous avez attribué. Et ça se construit au fur et à mesure. Et là, vous voyez que petit à petit, la popularité est en train de remonter. Notre priorité actuelle maintenant, c'est de faire en sorte que notre popularité passe à 50. Là, vu qu'on a construit plusieurs maisons, on a pris un niveau. Et on a récupéré, le roi nous a envoyé des ressources afin de nous défendre en cas d'attaque de bandits. Bravo, Pépé. Pour survivre, la colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever vos premières bannières de miliciens. Leur rôle est de vous servir, de vous protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes ou que vous devrez fabriquer ou en importer de d'autres contrées. Donc les armées, on crée des régiments. Les régiments de vos armées, là vous voyez, j'ai 10 hommes qui sont disponibles parce que du coup, dans mes familles, j'ai 10 hommes. On n'envoie pas les femmes au combat, on n'envoie que les hommes. Le roi m'a envoyé 20 piques et 20 pavois. Donc évidemment qu'on va faire des lanciers. S'ils meurent, ce sont les hommes de la famille qui meurent. Donc il faut faire très attention avec eux et essayer de subir le moins de pertes possible lorsqu'on subira des attaques de bandits, voire des attaques de l'autre seigneur. Et d'ailleurs, la cité a pris un niveau. Moi, ce que je vous conseille, ce qui est toujours bien, c'est là, vous voyez, par exemple, on va se diriger vers la récolte de ressources minières et de cuivre. Donc, on va se diriger vers l'extraction souterraine, vu qu'il y a des ressources abondantes. On pourra ainsi récupérer de façon illimitée ces ressources-là, ce qui n'est pas le cas de base si elles ne sont pas abondantes. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre labour profond. Ça vous permettra d'utiliser des bœufs dans vos fermes plus tard, hein, quand vous aurez des fermes. Le fait de pouvoir utiliser des bœufs accélère beaucoup votre récolte et le nombre de ressources que vous pourrez récupérer avec. Après, vous avez d'autres trucs, par exemple, doubler la production, avoir une production passive de viande, sans pour autant que les animaux se fassent tous déglinguer. Doubler la capacité des arbustes de baie, récolter du miel, avoir des fournisseurs étrangers, tu labours profond, bien, très bien. C'est tout ce qu'ils retiennent, c'est con. Élevage de moutons, vous pourrez avoir, si vous voulez, des moutons et faire en sorte qu'ils s'accouplent afin de les vendre et récolter un maximum de ressources. Faire de l'apiculture, doubler la quantité de viande, etc., etc. J'ai mon enfant qui crie. Je reviens. Heureux. Là, vous voyez qu'on a du combustible. On n'a que deux bois de combustible, ce qui n'est pas fameux. Donc on va aussi... on a pris une amélioration qui s'appelle la charbonnière, qui permet de convertir une unité de bûche en deux unités de charbon. Quand on va avoir des familles qui vont s'installer, on va faire un premier bâtiment. Il est où ?
Il est où le bonheur? Il est où? Je ne m'en souviens plus. J'arrive sans contexte, cette phrase est épique. Bonsoir tout le monde, bonsoir Panda. Pas la carrière, c'est ici dans la récolte. On va faire une hutte de boisilleurs. C'est comme les bûcherons, du coup il va falloir qu'on leur attribue une zone où ils vont pouvoir travailler. Ils vont pouvoir récupérer les bûches, et avec ça, vu qu'on a pris une amélioration, on va pouvoir faire un charbonnière qui va nous permettre de convertir une unité de bûche en 2 unités de charbon. Ce qui fait qu'on aura à moins à récolter de bûches afin de satisfaire notre combustible. Et ça, ce sera plus tard lorsqu'on va avoir des familles qui vont commencer à s'installer. Là, vous voyez, il est toujours important de garder une famille non affectée afin qu'elle puisse transporter les ressources. Si vous n'avez pas de famille non affectée, il n'y aura aucune famille qui va s'occuper du bœuf. S'il n'y a aucune famille qui s'occupe du bœuf, ben, les ressources ne seront pas transportées. Ce que j'ai oublié de faire, c'est un puits. Là, vous voyez, quand vous prenez un puits, ça sélectionne une zone. C'est là où il y a les nappes phréatiques. Ce qui est plutôt important. Donc on va essayer de taper le puits là où il y a une nappe. Je pense qu'on va le mettre ici. C'est tout petit. On va le mettre là. Il n'y a pas d'incendie dans le jeu pour l'instant. Mais lorsqu'il y aura des incendies, ça permettra d'éteindre les incendies. Mais aussi ça permet, vous voyez, de donner aux maisons un accès à l'eau. Et les gens, ils seront contents. Vous voyez que là, par exemple, je peux étendre les espaces de vie. C'est l'un des onglets que j'ai... Que je vous ai montré lorsqu'on construit une maison, ce qui double la capacité d'accueil maximale d'une sensive. Ce qui vous permet de moins construire de maisons. Ce qui est plutôt pas mal. Il faut essayer vraiment de centrer votre village autour du marché et de l'église. Pour moi, c'est comme ça que j'ai toujours trouvé que ça marchait le mieux. On pourra faire plus tard une taverne, une église, une fosse commune, et bien d'autres bâtiments. Et pour l'instant, il faut que ma popularité remonte. Parce que là, c'est pas fameux. Donnez-moi une commande Météor. Non, bah, le village, il vient à peine de sortir la tête de l'eau. Il veut déjà tout détruire. Comment ça, la taverne, c'est pour plus tard? Et oui. Et oui, malheureusement. Alcooliser les gens, c'est visiblement, c'est pas leur priorité. Vous avez vu comme il pleut? On a vraiment bien fait de rentrer les ressources. J'aurais plus de ressources sinon. N'aurait plus eu de ressources. Et on passe en été. On vient de passer notre première saison. Tu veux bien monter la popularité là? La popularité elle remonte petit à petit. Là ils font encore un peu la gueule parce que du coup il y avait pas de maison. Ça t'avait sauvé le bar d'un France Punk, j'avoue. Ah là vous voyez qu'il y a des bandits qui ont voulu 11 de viande. Les petits bâtards. Donc là, s'il y a des bandits qui m'ont volé, ça veut dire qu'il y a un camp de bandits quelque part. Là. Vous voyez? Ça, c'est un camp de bandits. Plus tard, ça sera bien d'aller de prendre des unités lorsqu'on aura plus de troupes et d'aller leur péter la gueule. Ça nous fera gagner de la trésorerie et bien d'autres choses. Mais oui, Pépé, sur Frostpunk, ça m'avait bien sauvé. Hein. Ça m'avait bien sauvé. Il est sympa ce jeu, c'est que de la gestion, il y a de la conquête de territoire. Il y a un peu de conquête de territoire, mais c'est un jeu qui est en early. Hein. Là, ça, c'est des territoires qui appartiennent à notre seigneur. Pour l'instant, vu que c'est early, il ne peut pas construire de bâtiments. Mais si on veut récupérer ces territoires, il faut se frotter à ses troupes. Et ça sera un peu pour plus tard. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une phase de gestion au début. Et après, lorsque la partie sera un peu plus avancée, on aura une petite phase de combat, mais c'est pas centré sur ça. D'ailleurs, les phases de combat se rapprochent un peu d'un Total War, hein, sans pour autant être aussi poussé qu'un Total War. On voit que la popularité est passée à 50. Maintenant, je peux avoir des familles qui peuvent rejoindre le village, ce qui est très important. Voilà, on est passé à 51%, donc là maintenant, je peux avoir des familles. Les sensibles, c'est vraiment très très important. C'est vraiment la ressource la plus importante. Et vous avez vu les baies? Les viandes, on n'en a pas beaucoup, des baies, on en a 108. Hein. Vraiment, ne sous-estimez pas les baies en début de partie. Ça vous sauve le cul. Là, vous voyez que j'ai la nourriture pour 28 mois. Donc on est...
On est large, large. 53%. T'as vu ? Rien que la construction de maisons, on avait presque plus de combustible. C'est pas faux. On va commencer à faire un bâtiment pour les récolter du combustible. Ça me semble assez urgent. On va le faire à côté de celui-ci. On tourne. Voilà, on va le faire là. Comme ça, le temps qu'une nouvelle famille arrive. Dès qu'il y a une nouvelle famille, on récupère ça. C'est multi ou c'est du local? C'est que du local. Le jeu est disponible sur le Game Pass. Mais le jeu, en fait, il a une ambiance. C'est tout mignon, c'est tout pépou. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un jeu de la détente. Regardez comme ils travaillent vite. Ils sont forts. Vous l'ombez. Mais putain, j'ai pas de gens qui veulent me rejoindre. Mais venez, venez, on est bien. On a des cookies. Combien il y en a des animaux, là? Il y en a 10. Ok, bon. Ce qu'on va faire, hein, parce que je sens que niveau combustible, ça va être la merde. On va désaffecter la famille qui s'occupe de la chasse. Et on va la mettre plutôt dans la hutte de boisilleurs. D'ailleurs, la hutte de boisilleurs, c'est pareil. Vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser l'installation d'étals sur le marché. Au début, laisser toutes les familles pouvoir faire des étals sur le marché. Et pareil, on va leur délimiter une zone de travail. Donc on évite, encore une fois, la zone où il y a les animaux et les baies. Pour ça, ils vont aller récupérer des ressources. Ça commence à être un peu la merde. Ok, on est remonté à 52%. Ça serait bien qu'une petite famille rejoigne le village, là. Parce que ça commence à puer du cul. D'ailleurs, vous avez aussi... vous pouvez aussi vous balader en mode touriste avec votre chef. Vous avez vu comme il est barbu ? Vous pouvez vous balader directement dans votre village. Ah, vous voyez, quand il y a ce petit icône, ça veut dire que votre famille a installé une étale sur le marché. On est pas mal occupé. Bonsoir, Nakumi. Il y a toujours de la place pour une personne de plus. Merci beaucoup, Nakumi, pour le raid. Bah, dis donc, tu t'es lancé sur le stream, Naku. Merci infiniment. On va encore se faire un peu d'argent. Je vais te laisser pour la paix. Moi, je savais pas que tu faisais tu streamais maintenant, Nakumi. Bah, n'hésitez pas à aller voir Nakumi. Regardez, j'ai lâché un petit follow. N'hésitez pas à faire pareil. Nakumi, c'est une personne que je connais depuis très très longtemps. Avec Eran, évidemment. Depuis l'époque de YouTube. Hein. Donc, pour vous dire. C'est une vieille de la vieille, hein, maintenant. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir Nakumi. Merci infiniment de ta part. Hein. Qui n'a que 44 follow, donc ça veut dire qu'elle a démarré il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'une famille veut bien rejoindre mon foutu village? Parce que là, ça commence à se voir. Hein. La pub, je raid mal. Depuis 3 jours, je me suis relancé après des années de non-live. Bah, je suis content pour toi, Naku. Comment ça va, Eran? Je leur fais une petite présentation de Manolot. Et désolé du peu de personnes, mais il se fait tard. Également. Non, mais Nakumi, c'est l'intention qui compte. Hein, du coup, et puis tu démarres, donc c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Avec plaisir, Naku. N'hésitez vraiment pas à aller voir Nakumi. Tu faisais quoi, du Slime Rancher? Ah, là, vous voyez, une famille vient de s'installer. Alléluia! Donc du coup, on va la remettre dans le camp de chasseurs. Là, vous voyez, il y a des animaux qui sont apparus. On va aller leur couper la tête. Je faisais du lino gravure. C'est quoi le lino gravure déjà? Tu me l'avais dit, mais
T'aurais même été seul que ton règne nous aurait fait plaisir. Tu n'as pas à rougir. Merci à toi. Exactement. Les bons mots d'Anakaz. Les bons mots d'Anakaz. Là, oui, la famille a rejoint la maison. On a combien de familles ? On en a 6. Des maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut déjà commencer à faire des nouvelles maisons en même temps. Faut pas que ces gens ne travaillent pas. C'est important qu'ils travaillent. Le travail, c'est la santé, on m'a dit. Hein. Donc, on va faire une route ici. Non, t'arrêtes ça. Le tavernier. Mais t'es pas net. Mais non, je m'amuse. Mais si, je suis très net. Voilà. Donc là, on va faire... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc du coup, essayez toujours d'avoir la possibilité d'agrandir, d'avoir des maisons assez grandes, enfin, avec pas mal d'espace pour faire ce qu'il y a à faire derrière, des fermes, des poules et tout. Mais aussi que vous puissiez les agrandir. Là, vous voyez, là on sait qu'avec ce petit bâtiment, la maison avec le plus, c'est que je pourrais installer une deuxième famille dedans. On teste, tu as bien raison. Et ne pas prester, c'est le conserver. Quoi ? Bonsoir Paladin. Comment vas-tu ? Manor Lords, mieux que Jurassic World Evolution. Alors j'ai jamais joué à Jurassic World Evolution. J'avoue que je suis un peu curieux. Une gravure, tu graves à l'aide d'une gouge une plaque traditionnellement du linoléum, mais ça peut être des plaques de gomme et ensuite tu ancres ta plaque et tu imprimes ensuite ton motif sur tes feuilles. Au pire, passe-tu la prochaine fois, tu verras directement. Ben, je ferai ça. Ça m'a l'air plus compliqué comme Manor Lords en tout cas. Là, vous voyez ça. Ça veut dire que quand vous appuyez sur tab, hein, c'est très, vous pouvez voir toutes les informations que vous avez besoin. Là, le truc avec le petit marteau entouré de verre, putain, connard de bandit, c'est que vous pouvez faire un agrandissement de la maison. Donc là, on peut étendre l'espace de vie. Par contre, on ne peut pas l'améliorer au niveau 2 pour l'instant. Et là, vous avez vu qu'on a fait un puits, il y a un accès à l'eau. En vrai, c'est simple dans le principe, mais c'est long à réaliser. D'accord. Ouais, il faut être patiente, quoi. Il faut que tu sois patiente. Ça va très bien, merci toi. Bah, ça va. On fait une petite présentation du jeu Manor Lords. One shot, ce soir. Dis-toi que t'as 3 factions à qui faire plaisir à ton parc et une, la sécurité, demande pour améliorer la sécurité comme mission. Relation T-Rex dans le parc. Vous êtes con. Ah bon ? Alors, pour être sûr que les gens soient pas en danger, on va leur lâcher un T-Rex sur la tête. Ça marche d'un coup. À toutes. Ah là, vous voyez, le fait qu'on soit à plus 57% de popularité, c'est très bien. Si vous voulez aussi augmenter la popularité, faire une église, c'est plutôt pas mal. Un camp de bandits a été repéré. Là, le fait de construire toutes ces maisons, ça nous tranquillise pour la suite. D'ailleurs, vu que j'ai pas mal de bois, on va commencer à construire des mines pour le gisement d'argile, le gisement de fer ainsi que le gisement de pierre. Donc vous allez dans extraction. Pour la pierre, ce sont des carrières. Ne les mettez pas au-dessus, vous pouvez les mettre à côté. N'oubliez pas de les relier par une route. Le fer, là ça par contre le fer, vous devez mettre le bâtiment au-dessus. Si vous le mettez à côté, vous voyez, ça ne marche pas. Et pareil, toujours le relier par une route. Et pour l'argile, c'est la même chose, c'est au-dessus. L'argile d'ailleurs, je peux directement faire une route ici. Même faire les deux. On met juste ces bâtiments en construction, mais on va pas mettre de famille pour l'instant.
L'argile, c'est important dans le sens où ça va vous permettre de faire des tuiles. Et les tuiles, vous voyez, par exemple, vous en avez besoin pour faire des améliorations de l'église en bois. Là, l'église en bois, elle me demande du bois, des planches et de la pierre. Et plus tard, ça me demandera de la tuile. Éternel passe le bonjour à tous. Elle a toujours des problèmes de Twitch, apparemment. Allez, je m'en doute. Hein. Un petit coucou à Éternel. Coucou, Max. Je passe faire le coucou. Eh bien, coucou à toi. Je ne dis rien, mais je suis à fond dans live. Le jeu m'intrigue. Ah, le jeu intrigue beaucoup de monde. Hein. Vous savez que c'est quand même une personne qui a fait ce jeu. Hein. J'y joue beaucoup en off. Hein. Voilà, vous voyez, une nouvelle famille s'est installée. Vu qu'on a on est populaire, les familles viennent s'installer. Donc, cette famille, on va l'attribuer à l'entrepôt. Directement. Au début, on fait le minimum syndical. Hein. Et puis après, on mettra plus de chasseurs, plus de récolteurs de boisilleurs, etc., etc. Ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi, tant qu'on y est, vu qu'on a du bois, on en profite, c'est de faire une hutte de civiculteurs. Comme je vous l'ai dit, il est important de replanter. Parce que si vous n'avez plus de bois à proximité, vous n'avez plus de bois, vous n'avez plus de bâtiment. Voilà. Pas de pierre, pas de construction. Et pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pourquoi il veut pas le faire là ? Allez. Voilà. On va le faire là. Bah alors, nous, on est vraiment magnifique. Par contre, la patience, j'hésite à installer Banished, par contre. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas mal joué à Banished aussi. Et c'est... ça ressemble pas mal à Banished. Ça c'est clair. Hein. Après, pour l'instant, Banished est plus complet. Pour moi. Mais dans le futur, si le jeu continue à évoluer... Bah du coup ça sera plus complet que Banished. En tout cas, c'est plus beau. Bon, vu que vous m'aidez pas, je mets taverne land. Pas de pierre, pas de tavernier, pas de stream, pas de manor, donc tu ne tomberas jamais à coup de pierre. C'est ça. Banished, tu peux jouer pendant un siècle en comparaison, c'est ça. Si vous aimez bien ce style de jeu, Banished, c'est vraiment pas mal aussi. Mais c'est plus compliqué, Banished, par contre. À l'heure actuelle, c'est plus difficile de jouer à Banished qu'à Manolord. Mais si, je suis très net. Oh, vous avez la bœuf qui se balade. Qu'est-ce qu'elle a, là ? Qu'est-ce qu'elle a, ma bœuf ? Que quelqu'un s'occupe de cette bœuf, s'il vous plaît. C'est une meuf d'Angleterre, il fait pas beau. Attendez, il y a un problème. Ah, c'est bon. Moi, j'ai eu peur. Là, c'est de la patience, là, maintenant. Faut juste attendre que le temps passe. Ça, c'est le début de partie. Plus de gestion que Manor Lord. Oui, tout à fait. Après, Banish, c'est un jeu qui finit aussi. ça serait bien. La prochaine famille qu'on va avoir, on va l'attribuer à la hutte de civiculteur. Hein, pour qu'ils commencent à replanter les bois. Parce que vous voyez, ça entraîne de... tout est en train d'être pété. Ça va péter. Le bœuf faisait patiner sa boue. Il a démarré en trombe. Il a fait un petit dérapage, là, le bœuf. Voilà. Les mines commencent à être construites. Hein. Là, le prochain truc vers lequel on va se diriger, c'est la Syrie. Après la hutte du civilcuteur. Ben là, faudrait que les familles continuent à nous rejoindre. D'ailleurs, la hutte du civilcuteur, on va la mettre à côté d'entrepôt. J'essaye de faire un petit pôle exploitation, un petit pôle industriel, on va dire. Là, j'essaie de mettre la Syrie à côté de l'entrepôt, comme ça la bœuf elle a à faire moins de trajets. Et il y a une famille qui vient nous rejoindre. Donc on la met immédiatement dans la hutte de sylviculteur. Et pareil, on va lui attribuer une zone de travail. Et la zone de travail, ça va être la même que celle des bûcherons et des récolteurs de. Comment ils appellent ça déjà ? Ainsi que la hutte de Bosilleur.
Comme ça, ça fait un cercle vertueux. On récolte, mais on plante derrière. Hein. Après, moi, le jeu, là où j'aime bien aussi, c'est dans la gestion des champs et tout. Ouvert. Mais putain de bandits de merde! Ah oui, vu qu'il y a plus de familles, mais j'ai plus de troupes aussi. Maintenant, on va être sympa quand on plaît. Espérons avoir Star Citizen. Après, vu que le mec, il est tout seul, il faut être bien patient. À mon avis, le jeu, il faut bien attendre 2 ans. Il faut bien attendre le jeu. Le jeu est quand même bien beau. Tu as raison, Dracasa. Le jeu est très joli. Hein. En plus, là, on y joue en mode rapide, mais... Vous les voyez, les gens, ils se baladent et tout. Et puis, c'est un jeu qui est vraiment reposant. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le trou, là. Pas rêver. C'est un jeu qui est vraiment reposant. Ça me rappelle Black and White, cette caméra. Encore, vous avez, encore une fois, vous avez la caméra. Vous pouvez directement vous balader. Là, je n'ai pas attribué les touches, là, vu que j'ai réinstallé le jeu. Je vais le faire rapido. Sinon, je vais pas pouvoir me balader. C'est où déjà ? Accélérer, ralentir, mettre en pause, rotation de caméra. Je peux pas le déplacer ? J'avais souvenir que je pouvais. Bon, c'est pas grave. Le jour où Moulineux sort en Black and White 3, après le prochain Fable, pitié. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. J'ai jamais joué à Black and White. J'ai vu les copains y jouer à l'époque. Mais moi-même, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et j'avoue que je suis bien curieux. Donc le prochain objectif, c'est la Syrie. Pourquoi ? pas le pays. Hein. Mais je le vois venir, l'autre. Parce que du coup, on va pouvoir produire des planches. Et avec les planches, on va faire des bâtiments qui sont un peu plus avancés. Style l'église. Et l'église, ça va pas mal résoudre mes problèmes de popularité. Aussi, ce qu'on va faire, c'est un... Bah tiens, je vais commencer à le faire maintenant. C'est un comptoir commercial. On va mettre... Est-ce que je peux le mettre là ? Non, j'ai pas assez de place. Ça. Le comptoir commercial, on va le mettre... on va le mettre derrière. Voilà. Comme ça, on va pouvoir vendre des ressources. Vlad, c'est vous. Vlad von Karsten. On attribuera un marchand. Et je viens de choper un moustique, là. Tel Miyagi dans Karate Kid, je l'ai attrapé comme ça. Il était en train de me sucer fort fort. Hein. Là, vous ne le voyez pas parce que je suis au-dessus, mais vous avez plusieurs calques. Hein, lorsque vous appuyez sur le menu construction, vous pouvez voir les calques pour faire des constructions de blé. Oh, c'est pas fameux, ça, par contre. Hein. Vous voyez, cette zone verte, ça veut dire que ici, c'est idéal pour faire du blé. On voit que c'est idéal ici aussi, donc je pense qu'on a bien fait de regarder. Je pense que là, je ne vais pas faire de bâtiment au-dessus. On va plutôt faire des bâtiments en dessous. Pour le lin... Oh, c'est rouge partout. Pour le lin, on l'a dans le cul. Pour l'orge... Oh, c'est de la merde. Bon, on est vraiment dans une province dégueulasse si on veut récolter, si on veut faire des champs. On en a un peu pour le blé, mais on en a pas pour le reste. Hein. On a une nouvelle famille qui vient de s'installer. Donc on va l'attribuer ici. Et d'ailleurs, on va aller au poteau. Il est où, mon poteau ? Il y avait mon poteau, là. Mon poteau d'attache. On va... Je peux l'améliorer ? Non. On va attribuer quelqu'un ici. Combien j'en ai du bois, là ? On va garder 30 de bois. La réserve de construction, ça veut dire que la scierie, pour produire les planches, va utiliser du bois. Et la réserve de construction, c'est ce que je me garde de bois. Minimum. C'est le minimum de bois que je vais garder. Si j'ai moins de 30 bûches de bois, je ne pourrai pas faire de planches.
Voilà. Oh, j'ai goûté de l'eau, ça a l'air sympa comme jugulation. Ouais, il est tranquille. Merci pour vos follow. Merci à vous, les gars. Donc là, on va attribuer une famille. Et on va essayer de... On va en mettre moins. On va mettre 20 en réserve de bois. On va pouvoir produire des planches. Le truc, c'est qu'il faut qu'on attribue une bœuf ici. Et pour attribuer une bœuf, si je veux améliorer mon poteau d'attache pour avoir une deuxième place de bœuf, là, vous voyez qu'il y a une sur une, il faut des planches. Donc, on va pas s'emmerder. Vous savez ce qu'on va faire, hein ? On va faire notre poteau d'attache. Voilà. Et on va commander une autre bœuf. On a utilisé 20 de ressources de richesse régionale. Je vous conseille le premier achat que vous faites, c'est d'acheter effectivement un deuxième bœuf pour accélérer vos constructions et surtout pour attribuer une bœuf dans la scierie. Parce que la scierie, pour transporter les planches, a besoin d'avoir cet animal. Et si vous ne l'affectez pas, ça va grandement ralentir la construction, le développement de cette scierie. Donc, mettez toujours une bœuf. Vous pouvez vous dépêcher pour faire ce bâtiment là, ça m'arrangerait, merci. Avant que la bœuf arrive. Je dis la bœuf, mais on peut dire le bœuf surtout. Voilà. Et là, je vais affecter une bête dessus. Et on va attendre. On va attendre que les planches soient construites. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous en servir, ces planches, pour notamment les vendre au comptoir commercial ou vous faire un petit peu de pesos. Avec cette richesse régionale, par la suite, on va améliorer les maisons afin de mettre des potagers dedans et produire plus de légumes. Et là, vous êtes au niveau bouffe, vous serez tranquille pour un moment. Et ça vous rajoutera de la variété dans votre marché. Et si ça rajoute de la variété, les gens sont contents. Si les gens sont contents, ça fera plus de monde qui viendra dans votre village. C'est un cercle vertueux. Il est arrivé, c'est bon. Le deuxième bœuf est arrivé. Ayez toujours un bœuf non affecté. D'ailleurs, vous pouvez attribuer des... vous voyez, ça commence. Les constructions de planches. On va améliorer les étables en premier. Pour avoir plus de bœufs par la suite. C'est important d'avoir la variété parce que du coup ça va vous en avez besoin pour vos sensives afin de les améliorer. Là vous voyez par exemple approvisionnement de l'étal nourriture, on voit que les deux cases sont remplies. Donc il ne me resterait plus qu'à avoir des vêtements. Mais on va se diriger plutôt vers la foi avant de s'occuper des vêtements. Et une nouvelle famille vient de nous rejoindre. Cette famille, on va l'attribuer où ? La série, on va augmenter notre réserve de stockage, on va le mettre à 25 parce que sinon on n'aura plus de bois. Cette nouvelle famille, bah du coup, on va l'attribuer au comptoir commercial. Elle va aller vendre des ressources. Alors le comptoir commercial, comment ça fonctionne ? D'abord, attribuer une famille dessus. Vous pouvez attribuer une bête, mais c'est pas... au début, c'est pas primordial. Et surtout, vous avez le commerce. Choisissez la ressource que vous voulez vendre. Par exemple, nous, les planches. On veut, par exemple, exporter des planches. Là, j'ai sélectionné les planches que je voulais exporter. Actuellement, on a 16 planches. Je peux dire, lorsque j'ai un surplus de 20 planches, les planches que j'aurai au-delà de 20, je les vendrai. Donc là, vous allez avoir de temps en temps des marchands qui vont aller vendre vos planches. Mais si vous voulez accélérer votre exportation... Vous faites établir une route commerciale, vous l'achetez avec votre richesse régionale. Et ça fait que vos marchands, on va dire, posséderont en quelque sorte la route. Ce qui va grandement accélérer votre vente de planches. Au début, on va faire avec les planches. Et lorsqu'on aura assez de thunes, on va produire des arcs. Et les arcs, ça vaudra plus cher. Par contre, si vous inondez le marché de votre ressource, bah, la ressource vaudra moins cher. Là, par exemple, une planche, ça va valoir... de richesse régionale. Je vends de l'herbe qui fait rire contre ton or. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de ça.
Parce que la hutte des cueilleurs, je peux pas l'améliorer encore. Il me faut 25 de richesse régionale, ça c'est nouveau. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on permette aux cueilleurs aussi de récupérer de l'herbe. Et l'herbe, on s'en sert pour soigner les gens. D'ailleurs, regardez, on est en train de passer à l'hiver. L'hiver, qu'est-ce qui se passe ? L'hiver, donc vous ne pouvez plus récolter de baies. Vous pouvez continuer à défoncer les animaux, par contre. Les légumes ne poussent plus. Enfin bref, tout ce qui est plantation, ça tombe à l'eau. Donc il faut toujours, au moment où vous arrivez à l'hiver, que vous ayez au moins 4 voire 5 mois d'avance pour être tranquille. Putain de bandits de merde. D'ailleurs, les chasseurs ne font pas que recueillir. Là, je vois qu'ils m'ont volé de la peau. Les chasseurs ne font pas que recueillir de la viande. Ils récupèrent aussi des peaux. Des peaux d'animaux. Ah oui. Qu'on se servira pour faire plus tard des vêtements. Et là, le village continue à s'agrandir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu ? Il est sympa ou pas ? Après, on va pas y jouer... Ad vitam aeternam, hein. Mais moi je le trouve plutôt sympa. Pour l'église, il me fallait quoi ? Il me fallait de la pierre. Ah, j'ai tout pour faire l'église. Eh ben, let's go. Génial. C'est vrai, vous aimez bien ? Mais tant mieux si vous aimez bien. L'église, vous savez quoi ? On va la faire. Intéressant. Ah. Je suis content de vous voir dire ça. Où est-ce que je la fous, l'église ? L'église, je pourrais la mettre là, en vrai. Et on va la mettre là, l'église. Non. Non, on va pas la mettre là. Je préfère plutôt la mettre ici. Ce sera plus proche des... Ce sera plus proche des bâtiments, comme ça. C'est sympa, ça rappelle Ostrive. Je connais pas du tout Ostrive. Ah là, vous avez vu, il y a eu plus 20. On a gagné 20 de richesses régionales grâce aux planches qu'on a vendues. Alors. Ce qu'il faut, c'est qu'on passe... Là, notre objectif, vraiment, c'est de passer des sensibles au niveau 2. Parce que quand vos maisons passent au niveau 2, elles vont aussi produire des richesses régionales. Donc, il va falloir qu'on s'attarde sur ça. Niveau de foi, c'est en cours. L'église est en train d'être construite. Ah, il va falloir qu'on ait des vêtements. Les vêtements, ça va venir un peu plus tard. Je pense que ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va, pour être tranquille, on va faire des petits potagers. On va commencer à faire la construction de potagers. Petit seigneur, tu es tout seul, juste sponsorisé par le MEDEF. Lorsque l'hiver sera passé, des légumes vont pousser et ça va rajouter, comme je vous le disais, de la variété. Essayez vraiment de faire en sorte que vos maisons soient le plus proches possible de votre marché. D'ailleurs, je vais peut-être en faire une autre ici. Ah, je sauvegarde. Je vais être en PS. Oh, je sauvegarde. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est pas bien grave que cette maison soit pas très grande. Hein, parce que du coup, je la destine à en faire les maisons. Vous pouvez les spécialiser. Donc, vous voyez, niveau 1, vous pouvez faire des potagers, des poulaillers, des chèvreries et des pommerées lorsque vous avez une amélioration, lorsque vous avez le talent nécessaire. Vous pouvez aussi en faire des boulangeries, ce qui peut être très intéressant. Un atelier de tailleur, ce vers quoi on va se diriger pour une maison de niveau 2 en premier. Des ateliers d'armurier, des ateliers d'archerie, très important. Un cordonnier, menuisier, brasserie et atelier de forgeron. Vous avez pas mal de spécialités dans les maisons. Sachant que ces bâtiments, par exemple, l'atelier. Par exemple, ce bâtiment-là. L'atelier de tailleur. Vous pouvez le faire qu'à partir du niveau 2.
Mais vous pouvez aussi avoir un bâtiment de tailleur, mais les maisons seront toujours plus efficaces qu'un bâtiment de tailleur. Par exemple, là où un bâtiment de tailleur va produire une paire de chaussures, la maison en produira deux. Par contre, lorsque vous donnez une spécialité de ce genre dans une maison, de celle-là, la famille n'est plus disponible. Elle va s'occuper uniquement de son magasin. Donc, par exemple, si cette famille, je fais un atelier tailleur, ils vont être exclusivement tailleurs. Ils ne feront rien d'autre. On a une nouvelle famille qui vient de nous rejoindre. Ça tombe bien, parce que du coup, cette famille, ça sera les prêtres de Tavernland. Ce seront les prêtres de Tavernland. Accélérer tout ça. Alors, l'église est un peu longue à construire, c'est normal, ça demande pas mal de ressources. Plus un bâtiment demandera de ressources, et plus il sera long à construire. On en est où des planches? Là, oui, paf, 20 balles de plus. Allez, on continue à faire du potager. Alors, on a récupéré pas mal d'argent. Voilà, là, on a du potager. Ici, c'est des petits bâtiments, donc je pense qu'on fera sans doute un atelier d'archerie ici. Là, on va faire un poulailler, je pense. Je t'ai envoyé au strip sur les idées de jeu, comme ça tu sauras ce que c'est quand tu iras voir. Ça marche, Max, merci beaucoup. Cette censive-là, vu qu'elle a beaucoup de place, plus vous avez de place dans une censive, et plus je vous conseille d'en faire des potagers, ça va vous produire... Vous taquez de légumes et vous serez tranquille au niveau de la bouffe. Hein. Mais vraiment, ça c'est vraiment un truc. Vous voulez pas vous emmerder avec la bouffe, hein. Vous voulez pas avoir d'ennui, vous faites ça et vous êtes tranquille. Hein. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une sensible ici aussi? Ah, le terrain est trop petit là, effectivement. Je m'en doutais. Parfait, l'église a été construite, hein. Donc on va attribuer un prêtre dedans, ça va grandement augmenter ma popularité. On va être tranquille. Hein. Et ça va, vous voyez, paf, niveau de foi, c'est bon. On a une église en bois. Sur ce, moi il faut que je dorme, je dois être parti de chez moi à 7h30 demain. Eh ben, bon courage, bon, repose-toi bien Max. D'ailleurs, je vois qu'on n'a plus qu'un bâtiment de disponible. On a 11 familles pour 12 maisons. Je pense qu'il est temps qu'on agrandisse les maisons. On va leur doubler leur taille à toutes. On va être tranquille comme ça. Voilà. Donc là, toutes les maisons sont en construction, même si vous faites... Alors, les familles ne sont pas expulsées dehors, hein, je vous rassure. Hein. Bonsoir, Yona. Les familles ne sont pas expulsées dehors. Hein. C'est juste que vous êtes en train de construire une petite extension de la maison pour qu'il y ait une famille supplémentaire. Ça te dirait pas de présenter le DLC de Frostpunk à ta commu? Ah, je suis pas... Je connais pas assez... Vous n'êtes pas assez, Frostpunk. Putain, on n'a pas de famille qui nous a rejoint. Chier. Donc là, avant de faire d'autres bâtiments, on va les laisser... on va les laisser construire tout ça. Hein. Une fois que toutes les extensions ont été construites, à ce moment-là, on fera... On va commencer à s'occuper des vêtements. Il est pas beau notre petit village. Vous avez aussi la possibilité de construire des murailles, des tours et tout, mais c'est pas très avancé. Je vous montrerai quand même, mais c'est pas très avancé. Petite église en bois. Putain de bandits, et on va s'occuper d'eux à un moment ou un autre. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai 20 lanciers.
Mais par contre, j'ai 22 villageois. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tavernier, du coup, tu n'as pas 22 lanciers? Ben, c'est très simple. Vous voyez qu'il y a marqué 20 sur 36 en lance et 20 sur 36 en bouclier. C'est-à-dire qu'il me manque maintenant des armes afin d'avoir plus de troupes. Un camp de bandits a été repéré. Oh, il y en a plein, là. J'aimerais bien aller leur péter la gueule, mais... Là, on n'a pas assez de troupes. Hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est des archers, aussi. Allez voir les archers, c'est pas très compliqué. J'ai de la thune. On va continuer à faire des potagers. Vous pouvez construire le mur à la frontière du royaume de Mekusika. Quoi ? Mais cet homme est complètement fou. Et là, vous êtes principalement bloqué dans le jeu. Vous êtes ralenti par le fait qu'il faille attendre. À chaque fois, c'est une famille par une famille qui vient dans votre village. Et vous êtes principalement ralenti par ça. Une montre de pierre a été repérée dans les terres environnantes. Devrions-nous suivre leur piste? Là, dans un an, jour pour jour, on va avoir pas mal de pierres qui vont nous attaquer. Donc, il va falloir vraiment faire en sorte... d'avoir plus de troupes. Donc ça passe par avoir des archers. Mais qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Et là, je pense qu'il va y avoir une nouvelle famille. Parfait. On en est où ? C'est pas fini d'être construit. Allez, on attend. On attend que toutes les extensions soient mises et on sera tranquille comme ça. Combien ils se vendent? Les planches se vendent toujours 2 balles. Hein. Tout va bien. Du bois, on en a 11. Là, vous voyez, vu qu'on a 11 de bois, j'ai demandé à la série qu'on ait une réserve de construction de bois de minimum de 25. Donc la série est en pause. Les gens ne travaillent pas vu que je n'ai pas assez de bois. Et c'est la fin de l'hiver. Et après l'hiver, eh bien, le printemps. Je pense qu'on va quand même un petit peu accélérer. C'est où ? Industrie. Donc il nous faut des vêtements, ils nous ont dit. On a de la peau. Donc on va faire une tannerie. La tannerie, on va la faire ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire, merde. Ah si, c'est bon, c'est ça. C'est bon. La tannerie va nous permettre de produire du cuir. Et le cuir, ça compte comme... comme ressource. Vous voyez ? Le marché doit proposer l'un des matériaux suivants en quantité suffisante de la toile, du cuir ou du fil. Au début, le plus simple étant d'avoir du cuir. Et le jeu, c'est ça, vous attendez. Dès que vous avez une nouvelle famille, vous l'attribuez là où vous voulez. Vous en avez besoin et ça se passe comme ça. Après, ce qui va être intéressant de faire aussi, c'est de faire les champs. Mais là, on n'a pas trop une province dédiée pour ça. On va quand même essayer de faire 2-3 champs. On va peut-être acheter une bœuf supplémentaire, hein, dès qu'on a de la thune. Hein. Vu qu'on a amélioré nos petits poteaux. Attends, on a une troisième famille, hein. Ça y est, ça se débloque là. Vu qu'on a amélioré les poteaux, ils sont où les poteaux? Ils sont là les poteaux. On a 2 places à la place d'une. Dès qu'on aura de la thune, je pense qu'on va se diriger vers ça maintenant. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque essentiellement... Bah rien. On est plutôt tranquille. La nourriture on en a, du combustible on en a. Le combustible on est bon. Et du civiculteur c'est bon, la scierie pas besoin de plus. À la limite peut-être en deuxième... on va attribuer notre famille au camp de bûcheron. Pour couper plus d'arbres.
Putain, il me casse les couilles ces bandits. Vas-y, faites-moi vite la tannerie là, qu'on puisse avancer. Parce que l'air de rien, vous voyez, le temps, lui, il avance. Hein. Il avance et il y a des connards qui vont venir m'attaquer. Hein. Et là, avec ce qu'on a, ça ne sera pas suffisant. D'ailleurs, en attendant, hop, on va aller choper le fer dans la mine à ciel ouvert. Comme ça, avec ces ressources, on fera très certainement des lances. Et avec le bois, on va faire des boucliers. Et on va produire plus d'infanterie. D'après ce que j'ai vu, archer sur abusé. Oh non, c'est pas tellement... Comme bûcheron, hop, on réattribue, on le met à la tannerie. Pas si abusé que ça. Belle famille s'est installée. On va la remettre au camp de bûcheron. On a pas mal de planches. Ah là, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il y a ce connard et il y a l'autre seigneur qui commence à revendiquer les autres provinces. Si j'appuie sur ça, je lui déclare la guerre en quelque sorte et je vais affronter ses troupes. Sauf que là, on sait très bien que je n'ai pas du tout assez de troupes pour l'affronter. Donc on va laisser récupérer les provinces, c'est pas très grave. Ce qui est important, quand vous affrontez cet autre seigneur, vous faites créer des nouvelles unités et vous pouvez engager des mercenaires via votre trésorerie. Trésorerie qu'on n'a pas pour l'instant. Et en fait, quand vous lui faites la guerre, vous engagez tous les mercenaires et vous lui pétez la gueule avec. Et c'est terminé. Il tire à travers tes murs quand ils sont en défense. Impossible. C'est un peu buggy encore. Hein. Il y a... Encore une fois, c'est une early, donc c'est pas étonnant, mais oui. Bienvenue dans mon auberge. Merci beaucoup pour ton follow, Tomad. Tomad. Après, vraiment... Je peux acheter une autre bœuf. On vient d'avoir de l'argent. On vient de récolter des sous-sous. Hop. Ça va accélérer tout ça. J'ai assez d'argent. Non. Faut attendre. Vous pouvez acheter une bœuf tous les 30 jours. Hein. Est-ce que j'ai une construction? Oui, si. Allez, hop. Plus de légumes. On a moins 1 de viande. Je sais pas pourquoi, des fois, ça fait moins 1. Là, vous voyez la popularité, comme elle est haute. C'est grâce au niveau de foi. Donc, on a attribué à un prêtre. Les gens nous aiment bien. Ah, et là, vous voyez les petits légumes qui poussent. Du pain, des épices et des tas de bonnes choses. T'as là, en attendant... On va en faire un poulailler. Hop, petite pause. Vous avez vu, on peut améliorer au niveau 2. Donc là, on va regarder tous les bâtiments qu'on peut améliorer au niveau 2. C'est ce petit truc là. Dès que vous avez la possibilité de le faire, vous améliorez les bâtiments au niveau 2. Parce que les ressources n'étant pas illimitées, il peut arriver que vous n'ayez plus assez de ressources pour satisfaire leurs besoins. Donc dès que vous avez la possibilité de satisfaire leurs besoins... Vous améliorez tout ça au niveau 2. On est très très bien hein, niveau foi. Et là, le fait d'améliorer tout ça au niveau 2, ça va nous permettre de débloquer pas mal d'autres choses. Notamment la possibilité de faire une archerie. Pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture différente sur le marché. Ah bah oui. Il y a que des baies. Mais avec les légumes, ça va s'arranger. On va produire beaucoup de légumes et on a beaucoup de baies. Et à ce moment-là, on pourra améliorer ça. Déjà qu'on ait réussi à pré-shot, là, c'est... l'amélioration de ces sensibles-là, ça va faire du bien. Celle-là, je l'améliore pas parce que je pense que j'en ferai un bâtiment style une taverne, un truc d'armurier. Là, on a quand même du cuivre. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, réveille tôt. Des bisous et à la prochaine. Bonne nuit, Anaku. Hein. Merci pour ton raid encore, Anaku. Et une nouvelle famille nous a rejoint.
Et je pense qu'on ne va pas l'attribuer, cette famille. Parce qu'on va très certainement améliorer une de ses censives pour en faire un atelier d'archerie. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous mettez. Vous améliorez une maison. Vous améliorez une maison pour en faire par exemple un atelier d'archerie. La famille qui est dedans ne sera affectée qu'à cette tâche-là. Et notre cité est passée au niveau 2. Donc on va prendre extraction souterraine. Elle permet d'extraire des ressources perpétuellement lorsque le bâtiment est placé sur un gisement aux ressources abondantes. Voyez. Donc on va le faire. On va le faire maintenant. Comme ça, on va produire du fer de façon illimitée. Pourquoi la carrière, j'ai pas l'amélioration? Ah, c'est que pour le fer, c'est vrai. Ce bâtiment est passé au niveau 2, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse à en faire un atelier d'archerie. C'est celui-là qu'on va transformer en atelier d'archerie. Là, vu que les jardins ils sont grands, ça serait dommage de ne pas en profiter pour faire des potagers. Une nouvelle famille vient d'arriver. Vous avez vu, ça s'accélère maintenant, vu qu'on a la côte. Plutôt pas mal. Hein. La nourriture, ça va, on est bien. Le combustible, ça va, on est bien aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire là, d'intéressant? Est-ce qu'il y a un bâtiment que je prévois de faire dans le futur, là? Ah bah oui, je sais. Je sais. Vu qu'on a la mine souterraine qui nous donne du fer, on va très certainement faire une armurerie aussi. Mais d'abord, l'atelier d'archerie. Voilà. Donc vous prenez ce bâtiment et vous en faites un atelier d'archerie. Vous devriez essayer les farceuses frontières dans le même genre. Oui, c'est vrai, je l'ai vu, Pépé. Je l'ai vu, ce jeu. Il est dans ma liste. Je crois qu'il est dans ma wishlist. Mais il a l'air intéressant aussi. Hein. Là, vous avez vu, il y avait deux familles qui étaient dans cette maison. Et le fait d'en avoir fait un atelier d'archerie, ben, elles ne sont plus affectées. Elles ne sont plus disponibles. Mais par contre, on va produire pas mal d'arcs. Donc on va commencer à construire un régiment d'archers. Et nous, on continue avec nos planches à récupérer de la richesse régionale. Et on va s'en servir pour acheter notre bœuf. Tout, tout, tout. Pour l'instant, pas besoin de construire des nouvelles maisons. On est bien. On est bien. Il ne reste plus qu'à attendre que les nouvelles familles arrivent. On y joue encore, je pense, une heure à Manor Lords et on passera très certainement à autre chose après. Je pense que dans une heure, je vous aurais fait le tour. D'ailleurs, maintenant que... Parce que du coup, j'ai fait ça, c'est vrai. Maintenant qu'on a fait ce bâtiment... Il faut qu'on construise... Le bâtiment qui est important, c'est construire un manoir. Et pour avoir un manoir, il nous faut de l'argile. Le manoir va nous permettre de récolter les ressources... nous permet de récolter de l'argent... Et d'avoir de la trésorerie via nos villages... du coup, le manoir, il va me falloir de l'argile. C'est que de l'argile que ça demande, le manoir? C'est que de l'argile. Ah non, c'est de la pierre. C'est de la pierre. Il nous faudrait une nouvelle famille pour récolter un peu de pierre. Tout, 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 tout. T'as vu tout ce beau monde qui travaille? C'est beau. Et là, c'est notre atelier qui produit des arcs, mais vous voyez,
Ça nous met un arc et puis ça disparaît. Ça nous met un arc et puis ça disparaît. C'est normal, c'est parce que du coup, c'est en train de créer notre régiment d'archerie. Parfait. Belle famille vient d'arriver. On va l'attribuer à la carrière. Et on va pouvoir construire, commencer à construire le petit manoir. Alors le manoir, c'est important parce que si vous le faites péter, ben vous perdez. En gros. C'est votre maison. Si le seigneur il vous attaque et il détruit votre manoir, ben vous êtes à la merde. Quel jeu, vous verrez. Il veut lancer XCOM 2 100%. Et non, ce n'est pas un jeu de la liste. C'est un autre jeu que j'ai acheté cet après-midi. Mais j'en connais certains qui vont être contents quand ils vont le voir. L'armée de notre souverain a été repérée. Il est où ? Elle connaît un... Il va aller attaquer les bandits. Ça fait chier parce que moi je les attaquerais bien ces brigands. Ça me permettrait de récolter de la trésorerie, mais encore une fois on n'a pas assez de troupes. Mais on verra si on le fera après. Hein. Là, faut juste attendre qu'il y ait plus de famille. Le rythme du jeu est pas mal dicté par le fait que vous êtes obligé d'attendre que les autres familles arrivent. Là, on est en mode avance rapide x12. Hein. Moi, je pense le défaut que je pourrais y reprocher, c'est de me dire ouais, qu'il n'y a qu'une famille qui puisse arriver au village. Pour moi, il faudrait qu'il y ait plus de familles. Il ne faudrait pas que ce soit une famille par une famille, mais plutôt plusieurs, selon la popularité que vous avez. Là, par exemple, 71% de popularité, il faudrait qu'il y ait deux, voire trois familles qui arrivent. Selon moi. Parce que ça ralentit beaucoup le rythme du jeu. Il est pas mal le village comme ça. Est-ce que j'ai du bois, là ? Est-ce que j'ai de la pierre ? Oui, on a de la pierre ! On a de la pierre, du coup, on va faire notre manoir. Et oui, parce que qui dit Manor Lords dit manoir. On va le faire là. Donc la construction du manoir, elle est spéciale. Hein, parce que vous devez faire votre manoir. Hein. Le bureau de précepteur, c'est uniquement décoratif, c'est pas important, mais on va quand même le faire. On va quand même le faire. Hein. Avec le manoir, vous pouvez faire des murailles et des portes, ainsi que des tours de garde. À l'heure actuelle, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je vous conseille plutôt, c'est faire une tour de guet, ce qui va augmenter la taille de votre retenue. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez. Et plus tard, vous pourrez faire des murailles qui entourent votre village, mais pour le début, vous faites juste ça. Allez, ils vont commencer la construction de ce manoir. Et c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de générer de la trésorerie. Mais en même temps, ça va faire baisser votre popularité parce que vous allez taxer les gens. Étonnamment. Et le manoir est très long à construire. Hein. Il est très 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 long à construire. Ça serait bien que je puisse améliorer d'autres sensives. Je voudrais pas changer celle-là. Je ferais bien un atelier de forgeron ici ou là. Là, il n'y a pas de famille dans celle-là. Donc surtout dans celle-là. Il faudrait juste qu'il y ait plus de nourriture sur le marché. Ça serait bien qu'on commence à récolter. On commence à récolter les légumes. Ça devrait pas tarder, ça, la récolte de légumes. Passeur frontière pour résumer un seul son de ta chaîne. On a l'entrepôt qui est plein aussi. Merde, j'avais oublié ce petit détail. Oui. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content.
Et je vois, Pépé. Pour augmenter la taille d'entrepôt. Dans l'entrepôt, vous avez tous les trucs en construction. Là, vous voyez les lances, bois, la pierre, etc., etc. Et une nouvelle famille va débarquer. Parfait. Il y a une troisième famille qui a débarqué. On va la laisser construire le manoir. Quoique. Peut-être que l'entrepôt, ça serait peut-être mieux. Dans 150 jours, ils débarquent, les connards. Hein. Vous savez quoi, on va aller jusqu'au moment où les pillards viennent nous péter la gueule. Hein. Ils gueulent même quand ils savent pas pourquoi ils gueulent. Ouais, je vois. Comme la plupart des jeux de gestion. Comme la plupart des jeux de gestion. On en est où, là? 0%. Et c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Hop, hop, hop. Petite pause. Alors oui, il y a les légumes qui débarquent sur le marché. Donc on va en profiter. On va améliorer tous les sensifs qu'on peut améliorer. Parfait, il y a celle-là qui est dans le tas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Plus vos maisons seront éloignées de votre marché, et plus ce sera difficile de les apprivoisonner. Donc il faudra faire d'autres marchés par la suite. Hein. Le gestion Ixion quand les bâtiments sont en train de grève. Tiens, on a les Français à un bord. Faudrait que je le fasse, Ixion. Hop, petite pause. Oh, j'ai pas assez de bois. Merde. Bon, c'est pas grave. J'ai plus assez de bois. Par contre, des arcs, j'en ai. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'arcs... On va commencer à en vendre. Vous voyez, ça coûte beaucoup plus cher hein, pour les arcs. Mais les arcs, ça se vend entre 5 et 15. Donc là, on va se faire de la thune. Je voudrais toujours avoir un surplus de 30 arcs. Et après, les arcs qu'on aura au-dessus, on les vendra. Et là, on va se faire beaucoup de thunes. Vend pas ça à des ennemis. Non, ça les vend pas à eux, donc pas d'inquiétude. Hein. Ils vont débarquer tous avec un milliard d'arcs, les connards. Vous savez ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a d'autres familles qui sont en train de débarquer là? Oui. Hop, oula, vite. Ce qu'on va faire, c'est que on va déployer nos troupes. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, vous choisissez un point de ralliement. Vos troupes vont venir. Pendant qu'ils sont en train de venir, ce serait peut-être bien que j'attribue ce que je n'ai pas attribué. Ah non, je vais pas les attribuer, les familles sont infectées parce qu'on va améliorer les maisons. Voilà, mes troupes ont débarqué. Et on va aller choper ce camp de bandits là. Avant que l'autre ne débarque. Est-ce qu'il y en a d'autres des camps de bandits? Non, il n'y a que celui-là. Avant que l'autre débarque, on va aller le choper. Comme ça, on va récupérer les ressources qu'il y a dedans et on va les rajouter sur ma trésorerie. Comme ça, si on a des emmerdes... Merde. Pas au pas de course. Comme ça, si on a des emmerdes, on pourra faire venir des mercenaires et lui péter la gueule. Donc les troupes, comment ça se passe? Là, vous voyez, ce sont donc vos soldats, ce sont vos pégus. S'ils meurent, c'est de la main-d'œuvre moins. Donc on y prend soin. Ça ressemble un petit peu à Total War. Vous avez vu sous l'image de carte qui vous permet de contrôler votre régiment en entier. Pour faire défendre la position, une posture équilibrée, c'est ça, la quasi-en gros en avant, donc ils vont être plus agressifs, au pas de course, etc. Ne vous dépêchez pas, allez-y tranquille. Vous savez quoi, on va leur dire d'aller ici. On va vite les ramener au village. Hein.
À partir de la deuxième, à partir de la troisième année, vous avez le roi qui va vouloir vous prélever. Hein. Comme ça, au village, il continue à travailler. Et là, vu qu'on a nos troupes qui sont en avant, le village travaille moins. Hein. Vous en doutez. Est-ce qu'il y a des bandits encore? Je suis pas sûr qu'il y ait des bandits. Je pense que l'autre seigneur, il aura pété la gueule. D'ailleurs, il a pris quoi comme province, l'autre seigneur? Celle-là et celle-là. D'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait des bandits. On va se rapprocher. Quand vous avez un camp de bandits, il faut que vous envoyez vos troupes directement dessus. Non, il n'y a plus personne. Hein. Ils se sont fait péter la gueule. Vous mettez dessus et ça va vous demander ce que vous voulez faire de ce camp de bandits. Et à ce moment-là, vous allez avoir deux options. Là, il n'y a personne. On en profite. On a pas mal d'arcs encore. Voilà, vu qu'il y a perso, vous avez une nouvelle missive. Vous pouvez soit demander d'envoyer les ressources au village le plus proche, donc sous forme de richesse régionale, soit dire que ça partira dans votre trésorerie. Je vous conseille fortement de dire ce butin ira dans ma trésorerie. Paf, vous avez vu, j'ai pris 167 balles. Putain, ils se sont bien fait plaisir, ces connards. Hein. Et ces 167 balles, ça va nous permettre de recruter des mercenaires. Ils avaient vraiment beaucoup... Là, par contre, ils avaient beaucoup, beaucoup d'argent. En général, ils en ont moins. Les mercenaires, vous voyez, par exemple, ceux-là, ils vont me coûter 45 à l'achat. Rien du tout. Tu la fermes. Tu fous la merde. C'est ça. Ils ont foutu la merde, ces bandits. Et tous les mois, ils vont me coûter 45 balles. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous déclarez la guerre à l'autre seigneur... T'es mort. Vous le déclarez à la guerre, et au moment où vous le déclarez à la guerre, vous prenez tous les bandits, et à ce moment-là, vous les pétez à la gueule, et dès que vous les avez pété à la gueule, vous les renvoyez tous. Comme ça, vous avez besoin de les payer que d'une seule fois. Full économie. Ensuite, vos troupes, pour les ramener à votre village, vous les ramenez dans la région, et ensuite, vous pourrez dissoudre ces unités. Voilà, dites-vous que là, on est tranquille. Hein. Même si elle est bandit qui m'attaque, peu importe ce qu'il m'envoie, avec toutes ces ressources, avec tout cet argent de disponible, on a bien fait d'y aller. Je pourrais recruter les mercenaires et leur péter la gueule. Quoi qu'il arrive, on est tranquille. Hein. Bon, je pense que ça fait 2 heures que tu nous fais un tuto. Ça sera totalement Warhammer avec les unités de renom. C'est un peu ça, Pépé. C'est un peu ça. Ça ne s'arrête jamais. Là, on a quasiment tout vu. Enfin, vous avez vu vraiment la grosse base du jeu. Après, il y a d'autres bâtiments. Le but étant toujours de satisfaire un maximum les besoins de vos concitoyens. Parce que quand vous voyez la pensée sensible est passée au niveau 2, ben, du coup, il y a d'autres besoins. Niveau 2 fois 2. Ça demande d'avoir une église en pierre. Là, ça demande d'avoir une taverne et d'avoir plus de vêtements. Donc pour avoir plus de vêtements, il faut avoir d'autres types de ressources. Et ça vient petit à petit. Vous voyez, là maintenant ils sont débarqués là. Hop, on fait dissoudre les unités et ça les ramène directement au village. On en est où au niveau des constructions? Ça construit fort, hein, c'est bien. Il me faudrait plus de planches. Putain, on n'a pas assez de planches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer une deuxième personne à la Syrie. Et les bâtiments sont en train d'être améliorés. Hop, celui-là aussi, je peux le faire. Après, le jeu est intéressant et c'est de la détente. Hein. C'est de la détente. Hein. Mais là, on va dire que le plus compliqué dans le jeu, c'est la première attaque de bandits. C'est le plus compliqué. Il faut que vous ayez de quoi vous défendre. Et une fois que vous avez fait ça, ça roule tout seul. Vous avez vu les légumes, combien on en a? Et ça, dites-vous que c'est des ressources passive que vous mettez dans votre sensive. Donc c'est les habitants, même s'il y a un potager, ils sont quand même attribués aux tâches que vous leur donnez. Et ils produisent passivement des légumes. 17 habitants, alors on en a 30 très exactement. Enfin, on a 30 familles. Et au total, on a 58 habitants. Et on va en avoir plus là encore. On va en avoir plus. Voilà, les sensives ont été construites. Je suis bloqué à 12 dans ma partie, mais après 5 heures de jeu, ça fait 3 heures que personne ne rejoint mon village. Ça doit être à cause de ta popularité. Combien tu as de maisons?
Anakaz. Tu vois, regarde. Hein. Pour avoir plus d'habitants, ma pop est à 94%. Alors, ça doit être tes maisons. Tu vois, là, par exemple, j'ai 3 plus 17, ça fait 20 familles. J'ai 26 maisons, donc je peux accueillir 6 familles de plus. C'est ça qui est important. C'est que tu ne dois pas avoir assez de maisons dans ce cas-là. 12 et 15. Tu as 12 là et 15 là. Si c'est ça, ça te fait 27 familles. Hein. Ou alors c'est le total. C'est les deux qui comptent. Hein. Là, vous voyez, du coup, hop, on vient de construire le manoir. Et le manoir, qu'est-ce qu'il apporte? Le manoir, il nous apporte des chevaliers en armure. Hein. 12 pop et 3 maisons libres. Hein. T'as 12 populations. Alors, quand tu comptes 12, tu comptes les familles affectées et les familles non affectées? Ou les deux? Dans les 12, est-ce que c'est les deux en même temps, Anakaz, hein? Quand tu auras la possibilité d'avoir des riches dans ta vie à chaque attaque de bandit, alerte, sonner la cloche, lever les pouilleux. ne regarde pas ça. Ce qui est important, c'est ces deux-là. Du coup, il faut que tu additionnes les deux moins les hébergements. En soi mi-affectée plus une non-affectée. Et t'as 3 maisons libres. Essaye de construire peut-être plus de maisons à Nakaz. Essaye peut-être de construire plus de maisons. Nous, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, du coup, on a ce bâtiment-là, cette censive. On va dégager le poulailler. Ah, il me faut des planches, putain. Ça, vous voyez, par exemple, autre défaut du jeu. J'ai rien dit. Ça y était pas avant, ça y est maintenant. Je ferme ma bouche. J'allais dire, on peut pas avoir une réserve de construction. Mais si, on peut. Bah, c'est ce que j'ai fait, ma partie buggy. Maintenant, je suis sûr, j'en ai déjà construit deux. Alors que t'avais combien de popularité? 94%. Bah, c'est bizarre. Hein. Effectivement, Anakaz, je pense que ta partie est buggée, du coup. Ah, et la province qui a pris un autre niveau, on va prendre fabricant d'armures rudimentaires. Ça, on va pouvoir fabriquer des casques, des cottes de mailles, etc. Ou alors non, on va plutôt prendre labour profond. C'est bizarre ça, effectivement, en Akaz. Je pense qu'elle est buggée, ta partie. Gisement d'argile, on va mettre quelqu'un au gisement d'argile. Hein. Où est-ce que j'en suis, moi, au niveau de lingots de fer? On en a pas mal. Hein. En même temps, il y a eu tellement de matchs depuis la sortie. Ouais, c'est possible que du coup, ta partie, si c'est une vieille partie, il est possible qu'elle ait bugué aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On a pas mal d'argent, pas mal de richesses régionales, mais j'ai pas trop besoin de la dépenser là. On va faire des fermes. Faire des fermes, ça serait important de faire des fermes. Mais là, ce qui serait important, c'est d'avoir un armurier surtout. Un forgeron. Il me faudrait un forgeron et un atelier de menuisier. Il faudrait 9 de planches. Elle date de mai. Ah ouais, c'est pour ça. C'est sans doute pour ça. On va mettre un peu plus de bûcherons. Là. Et vous avez vu, on est en train de tout raser. Deux heures, fin de présentation. La sponso est finie. Non mais je vais vous montrer un tout petit peu plus loin hein, ce qu'on peut faire. On va faire, je pense, une demi-heure de plus dessus et après on va passer sur le deuxième jeu de la soirée qui sera le jeu qu'on fera en parallèle de l'aventure de Baldur's Gate.
Et je voulais vous montrer Manor parce que je trouve que c'est un jeu vraiment qui a un haut potentiel au niveau de jeu de gestion. Et j'espère qu'il va arriver au bout de son Early Access. Hein. Mais bon, vous savez ce que c'est les Early Access. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Peut-être au camp de bûcheron, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter une bête de façon permanente, comme ça ils vont faire ça plus vite. La hutte de boisilleur, on va... Non, pas la hutte de boisilleur. La hutte de sylviculteur, on va attribuer une autre famille. Et on va faire... L'entrepôt, il y a toujours quelqu'un dedans. Est-ce que j'ai des planches? Toujours pas. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais faire un autre bâtiment. Je voulais faire un autre poteau d'attache. Je les ai mis où, mes poteaux? Je les ai mis là. Voilà, comme ça, on va avoir plus de bêtes. Moi, j'aime beaucoup la musique aussi. C'est vraiment full... Full médiéval. Allez, parfait. Du coup, ce bâtiment, j'avais dit que je voulais en faire un atelier. Ils vont arriver, les pierres, ok, arrive. Hein. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps, mais vous inquiétez pas, normalement, on devrait s'en sortir. Faudrait que je fasse... Bon, on va commencer par l'atelier de menuisier. La tenue menuisier qui va nous permettre de construire des boucliers. Ce qui du coup va agrandir notre... Ok, il est là. Après s'être défendu, on va lui péter la gueule. Ce qui devrait nous permettre de... après avoir fait un forgeron, d'avoir des lances et des boucliers et du coup d'avoir plus d'infanterie. Les pierres sont en approche. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils font la gueule? Non, c'est bon, ils ont arrêté de faire la gueule. Alors, toi, je vais te demander... Vous pouvez choisir ce qu'il doit fabriquer. On va demander à ce qu'il fabrique des grands boucliers. Pour faire des, pour faire plus de lanciers. Comment ils vont être, ces connards de pierres, là? D'attache a été construit. La foulée, on va l'améliorer. On va commander une autre bœuf. Ok, ça y est. Combien ils sont? Oh, ah, non. Les pillards sont en approche. Alors, les pillards sont en approche. Je pense que ça va aller. Je pense qu'il n'y a, pas besoin de prendre des mercenaires. Ça va le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer ici. Évidemment, les archers, on va les mettre derrière. Et on va les mettre en position. Ils vont vouloir brûler nos fermes, qu'on n'a pas encore, et défoncer nos femmes et nos enfants. À partir de la troisième année, je vous conseille de commencer à construire des fermes, d'ailleurs. Bon, vous venez, les connards? Ça va le faire. Et pas l'inverse. Allez, venez, bande de petites salopes. Il faut pas être pressé avec les pillards. Hein. Vous savez quoi? Vous voulez être sûr qu'on est tranquille. Ah putain, j'ai pas mis les impôts, moi, mais quel connard. Donc, pour mettre les impôts, une fois que vous avez construit votre manoir, la dîme, ça vous permet de donner de la, du surplus de votre... de votre
de votre bouffe à l'église, ce qui vous donne de l'influence. Et l'influence vous permet de revendiquer d'autres régions. Et l'essence, ça vous permet de prélever sur la richesse régionale de l'argent, enfin de le rajouter dans votre trésorerie. On va faire ça, on va faire à hauteur de 5%, c'est plutôt pas mal. De plus, est-ce que je peux faire venir d'autres gars? Non. On va les mettre en position défensive. On va les laisser venir vers nous. J'hésite à agrandir. Si je vais vite fait, non, ça va aller. J'hésite à faire venir des connards là. Ils sont où? Ils sont où les mercenaires? Ils sont loin ou pas? Oula, il y a beaucoup de brigands là quand même. Ok. Ils sont là. Ils sont là. Est-ce qu'ils seraient pas en train de se diriger vers moi, ces connards-là? Non. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? C'est lesquels, là? Les brigands à vide. Merde, je peux pas les recruter, eux. Je ne peux pas les recruter... Jambiste. Arrive à Zéou, Wardblang et Wardbard. Ok. Wardbland. Ah, c'est eux. Ok. Ah, ils sont vachement loin quand même. Et Zéou, c'est où Zéou? Ici? Il n'y a pas de bandits ici. Ils sont pas arrivés encore dans la province. Ok, bon, il faut que je fasse, avec, là. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on va faire avec. Bon, on va bien s'en sortir. Vous savez quoi? Je vais même faire autre chose. Je dissous cette unité. Là, vous voyez, j'en ai 5 sur 24. On va en recruter d'autres. C'est 50. Voilà. Et là, je les fais revenir. Ça, j'en aurai un peu plus. J'ai plus d'argent, mais j'ai plus de... J'ai plus de chevaliers. Ça, c'est de l'unité qui est solide, ça. Donc, normalement, il n'y aura pas de soucis. Là, il va falloir... Vous voyez, on est à 25 familles sur 26 maisons. Il va falloir qu'on fasse des nouvelles maisons. Allez, venez, je vous attends, bande de petites salopes. Pas d'un instant l'autre, ils revendiquent des régions. Où est-ce qu'ils se cassent, là? Et il va où? Est-ce qu'il serait pas en train de se friter avec l'autre, là? Pardon. Regardez-les, ils sont en train de se friter entre eux, mais ils sont cons ou quoi? Oh, les débilus! Les brigands qui se tapent entre eux! Ils sont trop cons. Écoutez, moi ça me va. Hein. Moi ça me va. Hein. On va les attaquer par derrière. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Fausse alerte, ils sont cons! Je sais même pas si on aura le temps d'arriver en fait. Ah si quand même. Ah ben non. Vous voyez pourquoi acheter... Pourquoi acheter des mercenaires quand vous n'en avez pas besoin? Quand le mercenaire décide de faire votre travail, le travail à votre place. Eh bien je suis content d'avoir pu aider. Sachez que normalement ces bandits ils sont censés être un peu dangereux quand même au début. Ceux-là on a quand même pas mal optimisé hein, mais
Normalement, ils sont censés être dangereux. Mais tout va bien. C'était des débiles. Les coups. Allez. Donc du coup, si vous voulez revendiquer d'autres provinces, hein, vous cliquez sur dessus, sur la province que vous voulez, et vous appuyez revendiquer par influence. Et voyez le petit logo que ça a affiché tout à l'heure par rapport à l'autre seigneur qui vient de revendiquer une province. Et ben du coup, vous pouvez faire pareil. Alors ne vous inquiétez pas, hein, là il a 4 provinces, mais en soi, à partir du moment où vous avez de l'argent, du coup, vous pouvez recruter des mercenaires, et en coûtant des mercenaires, vous pouvez casser la gueule à toutes ces armées. Ce qui est important pour défoncer votre seigneur, c'est d'avoir de la trésorerie. Voilà. Là, logiquement, ce qu'il faudrait... on va s'arrêter, on va passer à l'autre jeu. Ce qu'il faudrait faire, logiquement, c'est déjà, d'une part, j'aurais augmenté mes hébergements. Une fois que j'aurais augmenté mes hébergements, j'aurais monté le niveau de l'église en fabriquant des tuiles. Pour fabriquer des tuiles avec l'argile qu'on a récupérée, on aurait fait ce bâtiment-ci d'industrie, le four à tuiles, qui transforme l'argile en tuiles. En même temps, j'aurais amélioré une maison, probablement celle-ci, pour en faire un atelier de forgeron. Pour faire un atelier de forgeron, ce qui m'aurait permis du coup à la fois de faire des boucliers avec la menuiserie, mais aussi des lances avec l'atelier de forgeron. Qui plus est, j'étais obligé. Ah bah là oui, là je veux bien te croire. Hein, du coup, ce qui nous aurait permis du coup d'agrandir notre infanterie, parce que d'avoir des archers c'est bien, mais ça fait pas tant de dégâts que ça les archers. Moi je pense qu'il faut avoir une unité d'archers pour 2 unités d'infanterie. Une fois ceci fait, vous améliorez, vous agrandissez votre village, vous agrandissez vos troupes. Dans le même temps, on améliore, donc le niveau de fort aurait été amélioré, on aurait fait une taverne. Ah mais si, je vais juste vous montrer un truc parce que ça c'est quand même un peu plus compliqué. C'est les champs. Les champs, vous voyez, là, juste en dessous de moi, ici, il y a marqué « Fertilité pour le blé, le lin, l'orge, le seigle ». Là, par exemple, ça, c'est l'odeur, mais c'est pas encore. Vous voyez, par exemple, pour le blé, si je veux faire des fermes de blé, je les aurais fait ici. Vu que c'est ouvert. J'aurais fait une ferme de blé ici, j'en aurais probablement fait une autre là. Juste derrière. Je vous explique ça parce que ça c'est un peu plus compliqué par contre. Hein. J'en aurais fait une autre derrière. Qui aurait été moins fertile certes, mais je l'aurais quand même fait. Avec ça, vous créez une ferme. Donc la ferme, du coup, on l'aurait mis entre les deux. Est-ce que je peux faire du lin ? Bon, si j'avais la possibilité de faire du lin, j'aurais fait... Bon, là, c'est mort pour faire du lin. Si j'avais la possibilité... À la limite, si je faisais du lin, ça serait plus par là et par là. L'orge, c'est pour faire la bière. Donc la bière, probablement que je l'aurais fait ici. Une fois que vous avez construit votre ferme, ça fonctionne par rotation de culture. Enfin, je vous conseille de faire fonctionner ça par rotation de culture. La terre, quand vous l'utilisez, elle va s'appauvrir. Et pour qu'elle s'appauvre, il faut lui faire des périodes de jachère. La jachère, c'est quand vous laissez la terre se reposer. Donc là, vous voyez par exemple, type de culture pour cette année en cours, on aurait fait du blé. Deuxième année, on l'aurait laissé en jachère. Les champs en jachère regagnent fertilité pour tous les types de cultures, mais ne produisent rien. Et la troisième année, j'aurais redemandé à construire du blé. Tandis que ce champ-ci, on aurait fait l'inverse du coup. On le laisse en jachère la première année, la deuxième année, on fait du blé, et la troisième année, on laisse en jachère. Et ces deux champs auraient fait une rotation, et comme ça, vous avez constamment une production de blé.
Une fois que vous, votre blé est récolté, il faut le transformer. Vos fermiers vont récupérer le blé, ils vont le transformer en grain dans la ferme. Et une fois que le grain a été fait, il faut le moudre. Et pour le moudre, il faut utiliser quoi ? Un moulin. Et selon le moulin, comment vous le placez, en fonction du vent, il va être plus ou moins efficace. Là, 91%, c'est plutôt pas mal. Une fois que votre blé, vous l'avez transformé en grain, et le grain, vous l'avez transformé en farine, il faut transformer votre farine en pain. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est en général, c'est à partir de la troisième année qu'on commence à faire ces bâtiments-là. Il aurait fallu faire un four communal. C'est mon Camelot. Oui, c'était grave Camelot. Hein. Faire un four communal. Là, par exemple, je l'aurais fait ici. Du coup, le grain, votre blé se transforme en grain. Le grain se transforme au moulin en farine. Et votre farine, dans le four communal, se transforme en pain. Et c'est comme ça que vous obtenez du pain, qui est la ressource, la nourriture la plus efficace du jeu. Mais la plus difficile aussi à faire. Hein. Vous voyez, votre ferme, ça demande quand même pas mal de personnes. Hein. Vous pouvez aussi, tout comme les bûcherons, vous pouvez leur attribuer une zone. Hein. Et vous pouvez aussi, ce qu'on avait pris comme amélioration, attribuer une bœuf dans cette ferme. Hein, ce qui va améliorer le rendement. Et là, c'est là où les saisons sont très importantes. Le printemps... L'automne, à partir de l'automne, ils vont récolter le blé, mais ils vont aussi labourer et planter des nouvelles semences pour l'année. Le blé se récolte au bout d'un an. Donc l'automne, vous plantez et récoltez votre blé. L'hiver, rien n'est fait, on touche pas à ça. Le printemps, les ressources repoussent. L'été, les cultures continuent à pousser. Et l'automne, vous les récupérez. En hiver, en général, c'est là, en hiver, vos fermiers, vous les dégagez. Et vous les mettez dans vos moulins et dans votre four communal afin de les transformer. Sachant que le four communal, comme je vous l'ai dit, vous avez aussi la possibilité de transformer une maison si vous avez pris le bon perk. Vous avez la possibilité de transformer une maison en boulangerie, ce qui fait qu'elle sera plus efficace qu'un four communal. C'est la gestion de ça, du blé, c'est un peu compliqué, mais ça devient une ressource primordiale parce que les baies et les animaux, ça reste quand même assez limité. Les légumes, c'est important pour vous apporter une ressource passive, mais il faut quand même, au bout d'un moment, passer sur du blé. Voilà en gros. Après, vous avez aussi la possibilité d'avoir des boutons en faisant une bergerie. Et par exemple, on va dire que je fais la bergerie ici. Vous pouvez faire des champs de pâturage derrière. Et là, vous pourrez importer via un bâtiment spécial. C'est dans le commerce, la foire au bétail. En général, je vous conseille de mettre tout à côté. Vous pourrez importer des moutons et vous avez vu que vous avez une perque ici, élevage de moutons, qui vous permet d'élever des moutons et de les reproduire. Les moutons vous serviront à deux choses, à produire de la laine, mais aussi, si vous avez pris cette perque, à vendre les petits que vous aurez en plus. Et voilà. Et c'est comme ça que le village, là on est en mid-game, et c'est comme ça que le village continue à s'agrandir. Après, vous avez aussi la possibilité de faire un atelier de teinture hein, en transformant vos baies en teinture. Je vous conseille de ne pas le faire au début, ça, parce que du coup, ça va vous bouffer sur votre nourriture. Mais une fois que vous avez vos champs qui sont actifs, à ce moment-là, vous pouvez transformer vos arbustes à baies en champs de teinture. D'ailleurs, on l'a pas fait, mais aussi on peut du coup améliorer la hutte de cueilleur pour produire de l'herbe. L'herbe qui vous permettra de faire en sorte que vos villageois qui soient malades se rétablissent plus vite. Vous pouvez aussi faire des champs d'orge. Du coup,
Bon, nous, malheureusement, on est dans une... Voilà, on n'aurait pas pu faire grand-chose, mais ici, on aurait pu faire un. L'orge qui vous permet de produire du malt. Et le malt, vous pouvez aussi ainsi, après, le transformer en bière via une amélioration de vos maisons. Permet de produire la production de bière en malt. C'est un peu comme le blé, donc ça fonctionne de la même manière. Avec une année en jonchère, une année ou en récolte. Et une fois que vous avez récolté votre orge, vous le mettez dans une malterie. La malterie, ensuite vous le transformez en bière dans une maison. Voilà, en gros. Et après vous construisez la taverne, et dans la taverne, du coup ça produit du divertissement, ce qui fait que votre population est de meilleure humeur, et vous pourrez ainsi lui récolter plus de thunes. En gros. Si vous avez des morts comme là il y a eu à présent, je crois qu'ils sont morts dans ma province, il faut que vous fassiez une fosse commune, sinon ils vont pourrir et vos villageois vont être plus malades. Voilà, en gros. Et vous avez d'autres petits bâtiments, pour avoir des outils, des lingots de fer, etc. Ah oui, putain, d'ailleurs, j'ai pas fait ça. C'est important d'avoir un bas fourneau, sinon votre armurier, ben, il peut rien produire. S'il n'a pas de lingots de fer. En gros, vous avez vu une grosse partie du jeu. On va s'arrêter sur ça pour Bannerlord. Et on va passer au deuxième jeu. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Vous trouvez ça sympa, Bannerlord, ou pas du tout? Nanana. Mais là, vous avez vu le principal. La next étape, ça aurait été de faire du blé, enfin d'avoir du pain. Mais ça prend pas mal de temps à s'occuper des champs, parce que du coup, vous avez vu, ça demande 8 fermiers si vous voulez que le rendement il soit au maximal. Et c'est important. Une fois que vous avez fait vos champs et que vous avez organisé votre bordel. Ça vous enlève quand même une bonne épine du pied pour la suite. Là, on n'a pas eu de problème. Notamment les bandits qui sont allés se friter avec les mercenaires, mais bon. Allez, on va passer au deuxième jeu. Je vais changer le titre du stream. Là, accordez-moi deux petites minutes. C'est un Souls. C'est un Souls-like, le deuxième jeu que nous allons faire. D'ailleurs, il faudrait que je teste, j'aime bien Bannerlord, il faudrait que je teste Medieval Dynasty aussi à l'occasion. Krabby, c'est ça. Another Krabs Treasure, on va jouer. Ils sont en train de se dire, mais vers quoi il nous emmène ce con? Ben moi non plus, je sais pas trop vers quoi on va.